Messieurs, dames, c'est le moment un peu chiant. Quelqu'un dans le chat doit, s'il vous plaît, se sub avec un prime pour faire apparaître un chat sous mes pieds. Je dis ça parce que les primes, c'est gratuit, ça évite de voler la commune. Ok, let's go, ça fonctionne. Nickel. Et est-ce que maintenant, quelqu'un, s'il vous plaît, peut... Qu'est-ce qu'il y a d'autre à CC? Ben non, c'est bon, en fait, si ça marche, c'est qu'il y a tout qui marche. Valdi. Merci, Audrey. Let's go. Merci pour les 5 subs. Merci Mio, merci Titou. Ok, c'est bon, ça marche. Les gars, vous êtes là, regardez tous les abonnés. Salut Tibbs, salut Titou, salut Kazenoko, salut Jaune d'œuf. Le petit poulet qui s'appelle Jaune d'œuf. Merci Sango, merci beaucoup. Marion. Tiens, Marion, va te faire foutre. Mais attends, mais je vais crever. Non, pas dès l'arrivée. Attendez, c'est pas très bien là. J'étais un peu trop en détente. Non. Les gars, laissez-moi juste arriver, s'il vous plaît. Attends, mais ça, j'ai eu un truc pour respirer sous l'eau. Bordel. En vrai, Brief Underwater, c'est broken ça. On a plus de soucis de noyade là. Oh putain. Alors ça c'est vraiment incroyable. Ok, bon chat. Merci Aurel pour le sub, merci à ceux qui... bonjour à ceux qui arrivent, j'espère que vous allez bien. Je vous fais un rappel. Ok, je vous fais un rappel. La gueule de ton perso. Je peux savoir ce que t'as contre mon personnage. Merci petit. Il est très stylé mon personnage. Ok. Pour ceux qui arriveraient, nous sommes sur Subcraft. Subcraft c'est un serveur, si on peut appeler ça comme ça, avec plein de mods qui a été fait par Valdi et Focus. Merci Stomy, merci beaucoup. Mais putain, mais tu prends trop de dégâts, sa mère. Pourquoi je prends aussi cher? Mais je vais mourir. Mais putain! Mais vous cassez les couilles! On vient d'arriver, j'ai perdu mon totem. Je veux être poulet en J. Mais comment ça peut faire mal d'aussi loin, cette merde? J'ai même pas eu le temps de parler de Subcraft. Putain, j'ai perdu mon totem, c'était mon seul confort, j'étais trop heureux. Ton âme de con aussi. Mais en vrai, elle est bien, mais... Pff. Bien, mais pas si bien. Elle est demi-bien, putain de merde. Oh, c'est déjà la cata. C'est déjà chiant, genre. J'ai même pas pu arriver une seconde que vous... Ça... Oh, putain. Enfin un an que je donne tout pour Linka. Les gars, putain de merde. Laissez-moi respirer 2 secondes, j'ai même pas expliqué ce que c'était Subcraft. Bon, Subcraft, c'est une aventure modée où les subs et les dons ont une influence sur ce qui se passe. Genre, si quelqu'un offre 10 subs, il y a un truc qui arrive. Si quelqu'un offre 50 subs, il se passe une catastrophe. Si quelqu'un offre 100 bits, il se passe un truc. 1000 bits, il se passe un truc. Bref, vous avez compris. C'est en gros le chat. C'est le chat qui gère. What the fuck? Ok. Le but de cette aventure, ça va être. De trouver absolument... Mais putain de merde, mais cassez-vous tous les cons! J'ai perdu mon totem, je suis dégoûté. Merci poisson, Emma. C'est mieux que rien. Merci beaucoup. Merci Derry pour les 500 bits. C'est quoi 500 bits? Ah, c'est des émeraudes, merci. Merci pour ça, ça va dans le stock d'émeraudes. Ok. Ok. Je prépare mon inventaire en même temps. Enfin, je le range. Un petit peu. Ok, je suis pas mal. 100% Subcraft, OMG. Thomas, je pense vraiment, premier degré, que 100% sur Subcraft, c'est impossible. Je pense vraiment que c'est absolument impossible. Merci Ralfouille, merci beaucoup pour les 45 mois, c'est gentil, lapin. Je pense vraiment, premier degré, que ce n'est même pas faisable. Mais on reste debout. Ok, ça c'est bon. Le cuir, faut surtout pas s'en débarrasser, on en avait besoin. Faut pas oublier. Ça c'est bon. Ok. Chat. Le but de cette aventure, dans un premier temps déjà, c'est de trouver un endroit où créer ma maison. Ok? Trouver un endroit où faire ma maison. Là, l'autre fois, on est arrivé dans ce biome que j'aime plutôt bien parce qu'il y a beaucoup de trucs dispo. Merci Xoli, merci beaucoup. Il y a beaucoup de trucs dispo. Et ouais, putain, ça, ce temple, on peut pas y accéder. Il doit avoir un moyen d'y aller, je pense.
Parce que quand j'y vais, ça me maudit. Donc je pense qu'il doit avoir une entrée ou quelque chose à l'intérieur qui est stylé. Mais j'ai pas vu d'entrée encore. Cette structure, c'est la première fois qu'on la croise, j'avoue, c'est un peu intriguant. L'Inca va mieux, ça va mieux, ça va mieux. J'ai mis deux jours, pardon. J'ai eu mal à la tête pendant 2 jours. Putain, mais comment je vais faire? Quelqu'un sait s'il y a un moyen de rentrer là-dedans, les gars, ou pas? Putain, je peux pas. T'as même fait de couper plus tôt, ouais, je pense aussi. Un petit poisson, c'est mieux que rien. Merci, Bid, merci beaucoup pour le sub offert. Par dessous, bah ouais, le truc, c'est que dessous, je sais même pas ce qu'il y a, du coup. Tiens, bah là, tu vois, j'ai... C'est quoi? Improve agility in water. C'est pas mal en vrai. Masque et tuba, c'est broken. Hein. Est-ce qu'on essaye d'aller dans le truc pour voir ce qu'il y a? Mais je pense que c'est protégé et que je pourrais jamais y aller. Je me dis, si je coupe tout droit... Et ouais, je peux pas y aller. Je peux pas y aller, les gars. Et je vois pas de... Genre Valdi, ça c'est des structures dans lesquelles on peut rentrer ou pas? En vrai c'est sympa ici. Hein. Ce qu'il faudrait là c'est que je retourne... Attendez, vous savez quoi? Je vais retourner là-bas. Est-ce que vous pensez que l'endroit où on a eu le totem d'immortalité, c'est possible que le mob respawn? Le mob qui donne le totem. TNT? Mais TNT je peux pas? Je peux pas récupérer la TNT du temple là. Attends. En vrai, si je reste assez loin, que j'attends la fin de l'enchant, 8 secondes, et que je casse direct, il y a peut-être un monde. J'espère que ça vient pas direct, juste. Faut que je fasse gaffe à ma vie. J'ai ramassé la TNT? Ouais. On le teste? 15 secondes. Vous avez vu la disposition de la TNT comme elle était bizarre? Dégage, bouffon. Ok, alors attendez, je vais récupérer des trucs. Oh! Flamme, c'est cool ça! Je garde en vrai. Ok, ça je garde aussi. Piercing, je sais pas ce que c'est. Ça doit pas être incroyable. Mais flamme, je pense que c'est vraiment vraiment stylé. Ok, et après il faudra que je fasse un briquet. Enfin, que j'ai de quoi faire un briquet. Et vous avez raison, je vais faire péter le truc. Ça se trouve, c'est une grosse défaite et y a rien du tout dedans. Oh merde, bâtard. Prends des blocs pour remonter. Non, GGG. Ok, ça c'est bon. Je vais récupérer du bois pour me faire plein de trucs. Et après on se penchera... Je vais juste visiter ça parce que j'avoue ça m'intrigue un petit peu. Mais après on ira voir... Je suis en leurre, moi aussi j'ai une aventure modée, pas de soucis, pas de soucis. Et après on essaiera de trouver un endroit pour faire notre maison. Faudra qu'on décide d'une zone qu'on trouve stylée ou quoi. Mais j'avoue ça m'intrigue de ouf cet endroit là. Là il nous faut de quoi faire un briquet. Ça, on avait testé, mais c'était de la grosse merde. Bah! Ma hache est où? Hein? Mais attends, quoi? Tu l'as jetée? Mais non! Regarde ce que j'ai dans la main à la place! Mais attends, qu'est-ce qui s'est passé, les gars? Mais attends, mais... Dans le backpack? Mais comment c'est arrivé, ça? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai aucune idée. Bug, je sais pas. Mais attends, c'était trop bizarre, non, comme interaction?
Ah, c'est vrai que j'ai l'amélioration où ça prend automatiquement. Ah non, on l'avait mise, le truc qui prend automatiquement dans ma main ce dont j'ai besoin? Comment ça fonctionne en fait? Oui. Et comment ça marche? Parce que là, regarde, là, pourquoi ça swap pas? Alors que c'est sûr que c'est mieux de prendre ça? Je comprends pas trop comment elle marche, l'amélioration, honnêtement. Mets ta pelle dans le sac. Ah putain, en gros, faut que je mette mes trucs dans mon sac? Ah ouais, mais c'est trop bizarre de pas avoir ces trucs dans son inventaire. Mais regarde, là, il se passe rien. Il y a un truc que j'ai pas compris, alors. Comment c'est censé fonctionner, les gars? Prends un outil et commence à casser. Mais ouais, mais du coup, c'est plus dans mon sac, là. Mais c'est de la merde, non, comme truc? Prends la hache et casse du sable. Eh mais vu que ça revient dans ma main, ça change avec un outil de ton sac. Mais c'est pourri alors. C'est un peu pourri parce que je vais pas comment. Après en fait quand ça change d'objet, il revient dans ta main. Donc ça veut dire qu'à chaque fois après il faut le remettre dans le sac. Mais c'est trop nul à chier les gars. J'avoue, je comprends pas trop là. Non, car ça switch automatiquement. Bah non. Regarde. Regarde. Je le mets là, ok? Je mets là et là. Là, je vais commencer à miner. Ça va me prendre la pelle. Même pas. Ok, là, ça a pris la pelle. Dac. Du coup, je vais... j'ai besoin de ma pioche. Je vais miner un truc qui se mine à la pioche. Ok, donc là, j'imagine que ça va le prendre. Et là, si je veux ça... Ah, en fait, faut que tout le temps que ce soit dans la même main. Merci, chérie. C'est de la merde, en vrai. Franchement, je trouve ça un peu pourri, moi, là. Si, c'est sympa. Bah, bof, parce que je me sers aussi de ma hache pour me battre. Sauf que, du coup, si jamais je prends un truc, ça va me changer le... Ça va me changer, j'aurai plus d'armes pour taper. En vrai de vrai, c'est un peu de la merde, hein. Franchement, je suis pas trop... Je suis pas convaincu, là, honnêtement. Ok. Oh, bâtard, ça m'a fait peur. Dégage de là, bouffon. Pratique quand t'as besoin de farm. Oui, voilà, c'est ça. Quand t'as envie de farm, c'est bien, mais sinon... Je sais pas, je suis semi-convaincu, honnêtement. Ok, ok. Ok, ça dégage... Ça, c'est le même. Ça dégage. Ok, on retourne au truc. Et on va essayer de faire péter la pyramide pour comprendre ce que c'est. C'était par là-bas, hein. Ouais, c'est ça. Ça se trouve, c'est un gros flop et y a rien dedans. Je trace, hein. Donc voilà, comme prévu, on a la maladie de la couille molle, là. Je sais pas si je fais péter en haut ou en bas. Oh putain, ok. Heureusement qu'on a eu le réflexe. Et c'est quoi cette merde? Attends, on peut se battre quand même ici ou pas? C'est quoi ce truc? Ok, on peut se battre. Mais c'est quoi ça?
Mais c'est quoi, les gars? Tu veux savoir ce que t'as à faire? Bah attends, non, je vais essayer de comprendre, d'abord. Sauf si c'est incompréhensible, je sais pas. Putain, du coup, on peut rien casser, on peut que se battre. T'as pas de bottes? Ouais. J'ai en effet pas de bottes. Ok, ils sont un peu nuls. Ah mais du coup je peux pas récupérer mon établi vu que j'ai le truc de la couille molle. Alors attends, mais qu'est-ce que c'est ici? Attends, j'imagine qu'il faut tirer dans la cible, mais... Está bien, y tú. Est-ce qu'il s'est passé un truc? Ok, ça c'était éteint, ça s'est allumé. Ça pareil. Donc je pense qu'il faut allumer les cheminées. 1, 4, 2, 3. 1, 4. Oh mais c'est bon, abusé. Merci Loni. Merci beaucoup poulet. 1 mieux que 4, 2 mieux que 3. 4 mieux que 1, 3 mieux que 2. Ok. Je sais pas ce que je vais faire de cette info. Fils de... Ok. Lui il est éteint. Et là-bas il n'y a rien. Attends, je fais les tours, hein. J'essaie de voir un peu ce qu'il y a. C'est badant un peu le truc là. Déjà heureusement que j'ai eu un bon réflexe. Là c'est un genre de sarcophage. Ouais, heureusement que j'ai eu le réflexe de mettre le seau sous mes pieds. Hein. On a vraiment frôlé la catastrophe. En vrai, j'ai bien géré le truc. Là, ça fait 2 cœurs et demi si je saute pas. Et là, si je fais comme ça, fais voir. Ah mais attends, mais en fait, c'est de la merde. C'est 1000 fois mieux l'épée que la hache. Je vais arrêter de me battre avec la hache. Je faisais 2 cœurs et demi, là, je leur enlève 5 cœurs. Coucou Gold. Gold, on est tombé dans un truc, t'aurais vu mon réflexe, t'aurais eu envie de me faire des dingueries. Ça, le piège, il a un peu tout niqué, là. Trois. Mais attends, je peux faire un truc avec ça? Je peux interagir ou quoi? Ok, je peux les faire tourner. Le 1 doit montrer le 4, je pense que c'est un truc comme ça alors. 2, 3, 4. Donc 1 montre le 4, je sais pas, je tente des trucs hein. Le 4 montre le 3. Le 3 c'est lui. Je pense que ça va être ça. Ok. Le 4 montre le 1. Et le 3 montre le 2. Et... Ok, ça doit pas être ça. Attends. Ou alors j'ai mal compris un truc. Donc le 4 et le 1, déjà, ils doivent se regarder. Ok, le 4 et le 1, ils se regardent. Le 2 regarde le 3. Le 2 regarde le 3. Ok, et le 3, il regarde le 2. C'est bon? Ouais non, merde. Attends, 1 regarde 4, 4 regarde 1, 2 regarde 3, 3 regarde 2. Ok, j'ai éclairé. Ça a marché. Et du coup, à quoi ça sert? Donc là, j'ai allumé les 3. Et ça, il y avait une épreuve, ça? J'ai pas trop compris. Attends, là, je me demande s'il n'y a pas un truc que j'ai pas fait. Genre, il n'y a pas une banderole à mettre, trouver la dernière ou je sais pas quoi. Genre, j'ai l'impression que ça, tu sais, c'est un truc à compléter, quoi.
Non? Genre, on dirait clairement qu'il manque quelque chose, mais c'est allumé, donc ça me laisse entendre qu'on a réussi. Je sais pas. Ou qu'alors c'est buggé et que c'est bon direct. J'en sais franchement rien. Oh, mais attends, c'était pas ouvert ça là-bas. Je l'aurais vu, je pense. Ok, ça devait être ouvert. Oh! Bah attends. Ouais, soit des feux! What? Mais quoi? C'est quoi ce truc? Mais attends, mais what the fuck? What the fuck? Mais c'est quoi ce truc? Un géant? Je drop un truc là ou pas? Je pense qu'il est bloqué. Ça, pour les groupes de mobs, c'est vraiment fort. Ok, j'ai tué le géant. Pourquoi il bouge pas? Mais je pense qu'il était bloqué parce qu'il doit faire pile poil la hauteur de l'endroit. Merci Gold pour les 1100 bits. Bon alors attendez. Mais putain, c'est pas possible, je peux pas respirer dans ce truc. Vas-y, je descends. C'est encore des énigmes, vous pensez? Ça, c'est des structures genre en obsi. Ah, là-bas, c'est ouvert. J'ai pas l'impression qu'on puisse interagir ou faire quoi que ce soit. C'est quoi ce truc de fou, les gars? Flamme Unbreaking? Attends, je vais me débarrasser des trucs qui ne me servent pas. Ça, ça dégage. Ça, je prends. Le papier, je prends. C'est des trucs que ça me servira dans mon aventure plus tard. Donc, je garde direct. Les livres, je les garde également. Merci, Prodi. Merci beaucoup. Qu'est-ce que c'est ce truc, les gars? Ok, il y a du loot, mais du loot éclaté. Pourquoi j'ai l'impression que je suis en danger? Genre, je me sens vraiment pas du tout rassuré. Beetroot soup. Ok. Oh! Ça, on prend de ouf. Il doit falloir que j'aille en face, du coup. Je peux monter là-dessus? Ok, je peux. Mais attendez, mais c'est super stylé! Oh, bâtard. Un ami demande quelle bonne surprise nous n'avons pas découvert. J'en ai aucune idée, poulet. Je sais pas du tout. Oh. Attends. Creeper, avoid the wearer. Oh, c'est trop fort. Non, bande de bâtards! Les gars, gâchez pas le temple! Attends. Ok. Oh putain. Eh, il me fallait un melon d'or pour faire un truc. Je sais plus quoi, mais je crois que c'était pour la bouffe automatique. Je garde le melon. Il me fallait, et je savais pas où je pouvais le trouver. Enfin, la pastèque en or. Je me rappelle. Oeil fermenté, machin, je vais garder. Ah mais du coup, je peux pas les miner, c'est vrai. Ok, là, mais mec, c'est immense comme truc.
c'est gigantesque. Oh putain, ça m'a fait peur. Oh sa mère. J'ai tellement eu peur. Je me suis chié dessus. Je me suis vraiment chié dessus, premier degré en plus. Purée, mais quel jeu de con. Ok. Oh. C'est que des trucs de merde. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il faut allumer les trucs. Ok, je crois que ça sert à rien. Ça, c'est en quoi ? Iron. Mais Iron, on s'en fout, non ? Enfin, oui, en fait, on s'en fout de ouf. Donnez-moi des vrais trucs. J'ai pas fait tout ça pour rien. Ah. Ok, il y a un passage secret, là ? Vous savez, je regarde juste si j'ai pas loupé quelque chose. Mais je pense que non. Mec, c'est sûr, il y a quelque chose là, non ? Attends, j'ai fait tomber un truc là. Merde, je peux pas casser. C'est peut-être un piège en fait. Ok, je peux rien en faire. Donc c'est, on peut casser les échafaudages, je savais même pas. Casser les échafaudages quand on peut rien casser. Ça passe. Ok, vas-y Nick, je vais aller dans le trou hein. En plus, je peux respirer sous l'eau avec mon build. Enfin, avec le truc que j'ai loot tout à l'heure. Donc, il n'y a pas de pression dans le labyrinthe. En vrai, on a loot le truc au bon moment. Ah. Mais c'est trop de la merde. Mais il peut pas avoir que ça. Là, c'est là où je suis rentré. Ça paraît pas bizarre, les gars, qu'il y ait rien ? Ah ! Ok. Sharpness. On prend, hein, je prends tout ce qu'il y a à prendre. Ça, c'est le problème du jeu, c'est qu'à chaque fois, les loots, ils sont à chier. Sérieux, les loots, ils sont trop nuls, là. Attends, c'est peut-être pas fini. Une patte de lapin. Je sais pas quoi ça sert. Ok. Merde, je peux pas récupérer ma lampe. FF. Ok. De la teinture. Je pense honnêtement qu'on s'en branle, hein, mais bon. Le cuir, il m'en faut, donc je vais prendre. Les gars, la teinture, on s'en fout, non, franchement. Je la tège. Pâte de lapin, je sais pas si ça sert à quelque chose. Ça, ça va aller là, le truc qui éloigne les creepers. J'ai l'impression qu'on entend des monstres un peu. Ouais, je peux rien casser, je peux rien casser. Ok. Le fil, je vais garder. Le papier, je vais mettre là. Les livres. Échafaudage. Ça, j'ai. Ça, c'est avec les richesses, je vais mettre ici. La TNT aussi. Ça, je peux rien faire. Non. Ça vaut toutes les tartelettes du monde. Eh, mais c'est broken, ça. Merci, Gold. Mais attends, c'est broken, ça veut dire que vous pouvez casser des blocs dans un endroit où normalement... Oh putain. Dans un endroit où normalement faut pas casser de blocs. Merci Gold. Attends.
Il y a l'air d'avoir le coffre ultime de l'autre côté. Les gars, enfin. Après tout cet acharnement. Merde. Mais putain, pourquoi je peux pas... Linka, as-tu 2 ans? Ouah, c'est stylé en vrai, hein. Fils de pute. Il se passe quoi si je fais ça? Allez, s'il te plaît, le jeu. C'est une blague. Mais ça peut pas être ça, le loot. Il y a un bug, là. S'il y a un bug, les gars. Je vais péter mon crâne. Merci, Mumux. Tricheur. Bon, je m'en branle bien comme il faut. Bien, bien, allègrement, même avec les deux mains. Avec les deux mains, je m'en branle. Je sais très bien comment ça va se passer, hein. Je vais faire mon truc, en galérant nanana, quelqu'un va invoquer un creeper, je vais juste mourir pour rien. Là les gars c'est Subcraft, on n'est pas là pour se faire des amis. Hein. Mais ça on dirait trop qu'on peut faire un truc avec. Mais non. À moins qu'il y ait... Attends. Il n'y a rien au plafond. Casse les pots, mais je peux rien casser les gars. Non. Ah je peux quand même me battre. C'est quoi ça? Increase the length of invisible. Ok, on l'a déjà. Invincibility, machin. Ok. Oh, mec, c'est clairement la salle des bonheurs là. Ok, pour le moment on est sous flop. Flop. Ça en prend volontiers même. Flop. 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 Ok, flop. Ça vaut toutes les tartelettes non. Du non. Monde. Non. Non. FHX, t'es un chien. On est à 3000 blocs du truc, on saura jamais. On saura jamais. Se faire insulter en offrant 20 subs. Il les a pas offert en étant bienveillant. Putain, faut que j'apprenne à regarder les coordonnées quand je fais quelque chose. Même moi, j'aurais pas osé. Par contre, attendez. Je me permets une petite aparté, d'accord? C'est pas magnifique pour faire une maison, cet endroit-là? Le biome est trop beau. Les gars, est-ce que ça serait pas un heureux hasard? Oh mon dieu, regardez la vue! Oh waouh! Non mais c'est magnifique! J'habite ici! Ça vaut toutes les tartelettes. Non mais putain, connard! Mais putain! Mais c'était incroyable! Zados va te faire foutre! Il me faut les... Putain. J'ai ouvert les coordonnées ou à aucun moment j'ai ouvert les coordonnées, chat? Aucun moment. Et ouais, j'étais sur l'émotion du coup de pute juste avant. Putain! Je vais jamais retrouver. C'était magnifique. Ça se trouve, c'est un des deux dirigeables. On est à côté du temple. Attendez, j'ai un petit espoir. Putain, je suis anéanti. Sa mère, je suis dégoûté. C'était magnifique l'endroit. Ok. Pour rappel, on cherche un endroit pour faire notre maison. Je vais aller vers là-bas. Attends, je suis où là? Ok, c'est bon, je suis là. Ok, je sais pas, je sens qu'on venait de là-bas. Que l'endroit magnifique est par là-bas, j'y vais. Oh non, c'est les temples avec le boss là. C'est pas un village plaisant, les gars.
Bonjour mon câlin d'amour. Merci pour ces 34 mois de bonheur, l'incalove, l'incalove. Aïe! Mais il se fait régène, j'avais oublié, c'est trop de la triche ce perso. Je sais plus comment on le tue. Il est broken! Il est broken, il faut que je me soigne. Oui, bah j'ai vraiment besoin là. Je crois qu'il faut fumer. Fumer les gens qui le régènent pour pouvoir le retaper, ça me dit un truc. Je sais même plus ce qu'il loot. Wesh! Oh, j'ai cru que je mourrais, hein. Il donne quoi? Un masque. Et kills and right click. Ah oui, c'est pour que les côtés ils se battent avec moi, j'avais oublié. C'est le masque pour devenir le roi des côtés. Je me suis décoté un de ces masques. Vous, le petit jeu de mots, vous l'avez. Bon, je vais vers là-bas et je prie pour trouver le truc. RT direct, merci beaucoup pour la team RT et la team chapeau chapeau. Allez bien vous faire foutre, vous comprenez rien à l'humour. À la grâce. Les gars, faut se rendre à l'évidence, je retrouverai jamais l'endroit trop stylé, non? Oh, je suis dégoûté, l'endroit était parfait, il y avait des petites fleurs. Il y avait une arche en face de moi, illuminée de lierre grimpant. Genre, c'était magnifique! Je vais retrouver ce truc. OMG, ça ressemble un peu là? Ah non. Putain, je suis dégoûté, sa mère. C'est quoi ça? C'est les maisons villages. Attendez, je peux peut-être dormir, faire une petite halte. Au moins, si jamais j'ai un problème ou quoi, je pourrais retourner prendre mon stuff. Allez, let's go. Vite, on dort dans le lit. Oh putain, c'est pas un village. C'est pas du tout un village, c'est quoi ce truc? Oh, wow, c'est quoi là-bas? Non. Vous savez ce que j'ai cru que c'était? J'ai cru que c'était l'endroit où on a spawn au tout début du jeu. C'est fini, moi j'y vais pas, hein. J'ai vu des monstres et tout, la flemme. Je suis pas là pour mourir. Attendez, par contre le village il a un petit mood là-bas. Bon, en tout cas, visiblement, on n'est pas parti dans la bonne direction. Hein. Même vraiment pas. Putain, mais il est trop stylé, ce village. Est-ce que c'est des villages avec du loot? Non. Je pourrais peut-être voler des pupitres. Ça vaut toutes les tartelettes du monde. Gold. Gold, pourquoi être méchant dans la vie? Ok, j'ai eu de la chance, par contre ça m'a transféré dans un autre village. C'est quoi ça? What? What? C'était vivant? Je t'offre un village, merci, merci. Mais... Copper? Golem? Je peux pas le ramasser. Merde. Ok, bon, on a un village, on est content du coup. Ça revient au même que l'autre truc pour finir, vu que j'avais pas pu dormir. Par contre, là, on doit être à 6000 blocs de l'endroit magnifique qu'on avait trouvé, quoi. Je le retrouverai jamais. J'étudie un peu le truc, là. Voir vers où je vais. Vas-y, on va prendre une direction au pif, les gars, et on cherche un endroit pour faire notre maison. L'endroit idéal, l'endroit magnifique.
L'Inca va détester les subs à partir de maintenant. Ben c'est aigre doux quoi comme jeu. À la fois t'es content parce que tu deviens multimilliardaire, à la fois t'as envie de détriper ton chat. C'est voilà, c'est aigre doux. Jamais personne d'autre que lui qui aurait râlé après avoir 60 subgifts en 5 minutes. Non mais c'est normal de râler, j'avais l'endroit parfait. Qui c'est Thomas. Non mais les gars, Thomas, il est vraiment différent. Est-ce que j'ai de quoi faire un... Non, toujours pas. Il va falloir qu'on farme du diamant en vrai pour survivre. Est-ce que je devrais pas aller au diamant maintenant? Avant de trouver de quoi faire la maison? Chat, c'est une vraie question. Je pense que c'est un bon call. D'aller miner pour être full diamant et faire des stuff, enfin des tenues. Oh waouh, le village là-bas, la vache. Oui, mine, vas-y, on le fait. Je vais me poser dans le village là-bas. Et je vais aller miner. Putain, j'arrive pas à nager. Feeding upgrade. Ouais, va falloir qu'on le fasse ça aussi. Oh, waouh. Allez, vite, un lit pour dormir. Je demande juste ça. Un lit pour dormir. C'est trop beau, le village, encore. Sur les hauteurs et tout, avec le château fort là-haut. Mais venez, je vis dans le château fort, en fait. Attends. J'y vais et vous me dites ce que vous en pensez, chat. Mais les gars, la vue du château. Attends, s'il y a des coffres, je les prends tous, hein. Vite. Let's go, la richesse. Osef. Mais chat, les coordonnées. Moins 1051, moins 3977. En fait, c'est joli, mais c'était plus joli avant. Par contre, ça fait vraiment le roi dans son château et tout ça. La vue, elle est giga stylée là. Après, j'avais dit déjà que faire en hauteur, c'était pas terrible. Les gars, je fais quoi? Je sais pas si je valide l'endroit ou pas. Non, je valide pas l'endroit. Focus, il me dirait non. L'endroit de tout à l'heure, il était estière, putain. Et en plus, prendre une structure qui existe déjà, c'est de la merde. Putain, sa mère, c'est quoi? Mais god, bordel de merde! Il y a 50 poulets qui se font maltraiter. Wesh! Ma vie. Attends, s'ils sont bloqués, je peux peut-être en profiter et les fumer vite. Mais c'est des trucs de l'autre fois. Mais gold, putain, mais t'es une merde, comment je fais? Attends, j'ai un espoir. Let's go moins, hein, déjà. Ok, je prends pas de dégâts, là. Allez, on y va. On y va, on le fume. On le fume, y'en a un qui meurt. Je prends pas de dégâts à travers le mur. Bah alors, bouffon. Ouais! Ça vaut plus les tartelettes humaines. Thomas, c'était quoi les 40 subs? C'était un totem. Non, me dis pas ça. Moins 1050, moins 3000. Oh, je suis pas loin. Thomas, je vais le récupérer, ton putain de totem. Je vais le récupérer, Thomas. On y va, les gars, on est à côté. Enfin, à côté. On n'est pas loin. Ça vaut toutes les tartelettes du monde. Je vais récupérer le totem de Thomas. Pour Thomas, vous êtes des sales chiens. Zados.
C'était moins combien de chat, s'il vous plaît? Oh, j'ai plus mon truc pour courir sur l'eau. Moins 1000, moins 1500, moins 1000, moins 4000 en gros, ok. J'y vais. J'y vais, c'est maintenant. Mais attendez, mon stuff, il a dû mon backpack est mort, c'est sûr. C'est qu'un un plugin qui me permettrait de voir mes coordonnées tout le temps, ça serait exceptionnel, hein. Attendez, je récupère full stuff en fer et j'y vais. La forge. Non, le jeu est trop contre moi. C'est moins 1000, moins 4000, c'est ça, chat? Moins 1000, moins 3000, je me rappelle plus. Allez, ça part. Ça part, les gars. Moins 1000, moins 4000. Putain, 2000 blocs quand même, hein. 2000 blocs avec 3 de bouffe, ça va être de la merde. Les gars, si vous pouvez me faire des steaks, s'il vous plaît, je veux bien. Le sort est contre toi. Ah bah c'est pas le sort, hein. C'est les subs, hein. C'est clairement les subs. Les gars, on est à moins de 100 subs. Pourquoi je meurs? Mais pourquoi je meurs? Mais il se passe quoi? On est à moins de 100 subs du dernier sub goal, merci beaucoup. Et merci pour les steaks, vous êtes des chefs-d'œuvre de la nature. Ok, je vais pas aller sur le bateau en fait. Pourquoi je nage? Merci pour les steaks, merci, merci, merci. Et là on fait un tout droit, toujours tout droit. C'est trop dur de survivre dans ce craft, hein. Vraiment les gars, je vous jure, mais c'est tellement plus dur que le hardcore. Tellement, tellement plus dur, c'est infiniment plus dur, genre je pense qu'il y a rien de plus dur que Subcraft, hein. Le mode horreur que Focus nous a fait, apparemment il est hardcore sa mère. Allez, je trace 2000 blocs comme ça, on mange nos steaks, on y va et voilà, en avant, on se retourne pas. Imaginez, on retombe par hasard sur l'endroit qui était merveilleux là. Putain, je suis dégoûté, c'était tellement trop beau. Et en fait, depuis le début... Mais attendez, faut quand même qu'on parle d'un truc. Là, je vais parler de quelque chose. Déjà, sache que Thomas, t'es un ange et qu'on te mérite pas. Mais deuxième chose là. Moi, j'avais oublié qu'il y avait le truc des totems. Depuis le début de l'aventure, il y a eu des centaines et des centaines de subs offerts. Il n'y a pas eu un seul mec bienveillant pour m'offrir un totem. Tout le monde m'a offert que des trucs pour me faire souffrir. Genre Thomas, c'est le premier mec, genre pendant tout le live 24h, pas une personne. Il fonctionne le pile ou face à 5000 bits. C'est quoi? Je sais même pas ce que c'est, Gold. Merci, c'est 1 pour le sub. Merci pour le prime. C'est quoi le pile ou face? Ok. Les gars, je suis tellement matrixé. Mais c'est quoi ça? En gros, c'est trop là. Mais je suis à 8000 blocs. Mais attendez, mais c'est quoi cette merde? C'est quoi le truc de pile ou face là, de merde? Attendez, mais c'était quoi le truc? C'est quoi le truc de pile ou face? Regarde le chat du jeu. Merci Marion. Gold a donné 5000 bits, une chance sur deux d'avoir une pomme cheat, mais t'as pas eu de chance, te voilà à 5000 blocs de chez toi. Ah.
Putain, mais je suis tellement loin, les gars, là. En vrai. En vrai, de vrai, je suis trop trop loin. Mais je vais devoir abandonner tout mon stuff. Mais je peux pas abandonner mon stuff, putain! J'ai trop de trucs, c'est impossible. Réduction subdubber à combien de pourcents? Entre 25 et 30%. Merci Sam, merci beaucoup pour les 5 subs, c'est gentil. Entre 25 et 30% je crois. Et je le redis au cas où, parce que je crois que j'ai vu que deux personnes le faire depuis le début. Si jamais vous êtes sub et que vous savez que vous allez vous sub pendant les 6 mois qui arrivent, genre en mode, voilà, vous êtes des subs, vous kiffez, vous voulez continuer à vous sub. En vrai de vrai, si vous avez les moyens, je vous conseille de prendre les 6 mois de sub d'un coup. Parce que comme ça, vous allez profiter de la promo pendant les 6 mois qui arrivent et pas juste pendant un mois. Moi, ça me change rien de vous dire ça. Je vous dis vraiment pour vous. Enfin, perso, ça me change absolument rien que vous subiez tous les mois. Ou d'un coup, 6 mois, ça me fait rien. Mais du coup, vous économisez 30% sur vos subs quand même. C'est pas rien. Ok, on n'est pas très loin. En vrai, ça peut aller vite si Gold arrête de lancer des putains de pièces de pile ou face de con ou de me téléporter à 20 blocs, là. Ou de m'invoquer des monstres. Déjà, je sais pas pourquoi les monstres, maintenant, ils sont en double. Avant, t'avais un monstre qui te pétait la gueule, maintenant t'en as deux. Merci CK pour le sub. C'est toujours très beau ici, par contre. Vraiment, le biome est magnifique. Hein. Arnaud est le hater originel des gifteurs. Mais c'est normal, regarde ce qu'ils me font. Ce qu'ils me font subir. Je suis allé trop loin. Ok, c'est un peu par là-bas en fait. Je me suis trompé de direction depuis tout à l'heure. Ok, c'est par là-bas pendant 2000 blocs. Vas-y, je peux enlever ça. 400 blocs à droite, 2000... C'est trop beau ici. C'est quoi ça? Oh putain. Au secours, au secours. Attends. Pitié, du stuff. Les gars, je peux plus courir. Je sais pas pourquoi. Je ne peux plus courir. Mais qu'est-ce qui se passe? Les gars, je peux plus courir, je vous jure. Stop! Non, pitié, c'est bon, j'en ai marre. Merci pour la régène. Mange. Ah, j'ai cru qu'on m'avait fait un... qu'il m'avait jeté un sort ou j'en sais rien. Et là, il y a un problème, là. Je vous jure, je peux pas avancer. Comme s'il y avait un souci dans le jeu. Ah, c'était peut-être les blocs. Merci pour la régène. Ok. Allez, je continue. 2000 blocs, les gars. On peut le faire. On en a fait 300 en plus. En vrai, ça va assez vite. Ça manque quand même dans Minecraft. Et quand on fera la suite un jour, il faudra qu'on voit ça. Mais je trouve vraiment que les loot, quand tu trouves un coffre, c'est tout le temps de la merde. Genre, selon ce que tu ferais, il devrait avoir des coffres avec du stuff enchanté, avec de la netherite, avec des trucs vraiment... Genre, quand tu te décarcasses à faire quelque chose, t'as quelque chose qui en vaut la peine à l'arrivée, quoi. Je trouve vraiment que ça manque de ça, le jeu. Genre les récompenses, elles sont éclataques, ça. Ouais, dans les cités de laine, c'est bien. Mais c'est le seul endroit, quoi, du jeu. Dans les structures modées, ouais, s'il y en a, c'est bien. Mais tu vois, là, par exemple, la structure qu'on a faite qui était modée, là, où on n'a pas pu aller au bout grâce au putain de sub. Eh ben, ce truc-là, pour le moment, en tout cas, à voir ce qu'aurait été la fin. Mais ce qu'on a eu comme loot, c'était vraiment déceptif, hein. C'était nul à chier. Soit comme une salut Astrid. Merci pour les steaks, les gars. Merci beaucoup. Vous me permettez de survivre pendant ce long voyage. Allez, on est parti. Déceptif, ouais, qui te déçoit, quoi.
J'avais besoin de ça pour quelque chose, pour un craft ou quoi. Je vais la garder, je vais pas l'utiliser. Je sais plus pourquoi j'en avais besoin. Attends, vite. Décevant. Bah non, non, déceptif. Ok, on a sauvegardé plus près. Let's go, let's go. Je voulais pas dire mon intention, je me suis dit, ça se trouve, si je vais dire... Si, je me suis dit, si je dis que j'ai envie d'aller vite sauvegarder le lit, il y a quelqu'un qui va offrir 20 subs juste pour que je l'ai dans le cul. T'as plus ton stuff. Valdi, Valdi, s'il te plaît. Bientôt ton totem. Tomus, je vais le récupérer. T'as pas offert 40 subs pour rien, je vais récupérer ton totem. Mais ça se trouve, ton totem, il a brûlé dans le magma. Putain, les gars, franchement, si c'est le cas, je suis dégoûté, vraiment. Je suis en quel bloc, là? Ok, c'est un peu plus là-bas. Regardez mon perso, je suis tout nu, là, putain. La con de sa mère, j'étais trop bien, je suis dégoûté. On commençait enfin à avoir un truc qui ressemble à quelque chose. Ok, portail là-bas, je vais aller récupérer le stuff. Qu'il y a dedans, ça pourrait m'aider, genre une épée, j'aimerais vraiment beaucoup là. Je suis dégoûté, si j'avais pu te rembourser, je l'aurais fait direct, Thomas. Alors que Gold, si j'avais pu le rembourser, crois-moi bien, j'en aurais pas remboursé un seul centime même. Ok. Putain, c'est de la merde. C'est trop de la merde. Même pas peur. Vos screamers de creeper, là, vous pouvez économiser votre thune, hein, je vous le dis. C'est fini, ça. Le jour où je réagis à ça, c'est vraiment qu'il s'est passé quelque chose de grave et traumatisant dans ma vie de Minecraft. Hein. Parce que je peux vous dire que ça me fait aucune émotion. On est à combien de blocs là? Ok, plus que 1000 blocs. On va le faire. On va le putain de faire. Si tu veux, tu te gives le totem pour quand même l'avoir. Bah, j'aurais tendance à dire que non, moi. Vous me dites dans le chat ce que vous en pensez. Mais bah, c'est un fait de jeu, quoi. Je suis arrivé, je suis mort. C'est le timing a été mauvais, mais c'est un fait de jeu. Mauvais timing, tant pis pour moi. Bah, c'est... Ouais, tant pis pour nous, là. Mais si tu regrettes tes sous, Thomas, tu me dis et je te fais un virement. Et je m'y engage personnellement. Perso, il est comme ça dans la jungle. Puis plus bientôt les 5 ans de follow l'incabade. Le Pepo Nude. Oh putain. Oh d'ailleurs, il y a un truc que j'aurais bien aimé qu'on rajoute sur cette TV, ça m'est sorti de l'esprit. Nina, est-ce que tu peux regarder si tu vois un truc, ça doit s'appeler genre cakewalk ou un truc comme ça, je pense. Je pense que c'est cakewalk. Un truc du genre. Et c'est ta Let's go, on sauvegarde sur le chemin, nice. T'as le cake W qui marche. Oui, celle-là, je l'adore. On l'a peut-être déjà... Ça, je l'aime trop. Je l'ai revue hier, ça m'a tué de rire. Elle est vraiment trop bien, cette émote. Je l'adore de ouf. J'ai un premier degré, vraiment, je la surkiffe. Les gars, on a sauvegardé tellement proche que ça n'a même plus d'intérêt pour les haters de me téléporter à 20 blocs.
Ah, on a le seum, hein, les bouffons qui me téléportaient. Qui mettaient 20 subs, pardon, qui me téléportaient à 1000 blocs, là. On a bien le seum, hein. Et ouais, j'ai sauvegardé à côté de la maison. Dommage, les bouffons, gardez vos thunes. Et là, normalement, c'est là-bas qu'il y a ma baraque. Ok, il y a une lush cave là en dessous. Château en vue! Château en vue, chat. Allez, c'est maintenant. Pas de mauvaise surprise. Peut-être qu'avec un peu de chance, les monstres, ils ont des pop. J'y crois pas du tout. Allez, on récupère le totem, le sac à dos. Les gars, franchement, si je perds ce que j'ai sur moi, je m'en bats les couilles. J'y veux juste mon sac à dos, mon totem. Le sac à dos peut brûler, les gars, ou pas? C'est une vraie question très importante. Parce que je crois qu'il y a une amélioration pour le rendre inifuge. Donc je pense qu'il peut brûler. Putain, s'il a brûlé. J'espère qu'à ses cauchemars, t'es vraiment un gros chien, voilà, je le dis. Putain, il y a les monstres. Il y a totalement les monstres, les gars. Il y a les monstres. Dors dans un lit, pas besoin, je suis à côté. Putain, vous êtes vraiment des chiens, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Non, je préfère pas sauvegarder dans ce village parce que s'ils font péter mon lit ou ma maison, c'est FF. Allez, d'accord, je sauvegarde. J'ai peur premier degré là, je me chie dessus. Attends, je me mets full vie. J'aurais venu de croiser les... J'allais dire de croiser les jambes, de croiser les doigts, les gars. J'essaie de passer inaperçu le plus possible. En longeant. Mon stuff à cramer. Mon stuff, il a dû tellement cramer. Il y a tous les subs là. Il y a les monstres. Allez, je peux le faire. J'ai pas assez de blocs. J'ai pas assez de blocs. Allez, il est bloqué sur le toit. C'est mon stuff. C'est mon stuff! Faut surtout pas qu'il fasse péter mon stuff. Dis-moi que j'ai eu mon sac à dos, par pitié, le jeu. Y'a pas mon sac et y'a pas le totem. Oh putain de sa mère. Bientôt. Attendez. Un an déjà, l'incalove. Mais pourquoi y a plein de monstres qui viennent me péter la gueule là? Je peux pas me battre, en plus j'ai pas d'armes. Je n'ai pas d'armes, je peux rien faire, je vais crever. Faut juste... Mais putain de merde de jeu, au secours! Link à love. On peut pas mourir de poison. Qui c'est le BG qui m'a mis full vie? Merci Chiton. Mais pourquoi y a autant de monstres? Il se passe quoi? Mais putain. Mais pourquoi il y a ça? J'en peux plus. Merci pour la régène. C'est moi qui ai un totem. Mon sac à dos, pitié. Les gars, y'a pas mon sac à dos, y'a pas mon sac. J'ai pas d'armes, il me faut juste, au moins, j'allais dire un gun, au moins une épée, putain. Vu totem, vu, jurez-le.
plus. Ok, j'y retourne. Ça, ça dégage, dégage. Dégage, je vide des slots. Les gars, je crois que mon sac à dos a explosé. Regardez tous les mobs. Putain, c'est un enfer. Je crois que mon sac à dos a explosé, les gars. Non, le sac. Vous avez vu le sac, vraiment? Ouh, les gars. Ouh, s'il vous plaît, je veux pas que ça dépop. Devant toi. Attends, il faut vraiment pas qu'il dépop. Oh mon dieu, ma vie. Putain, non, mon totem. Putain de merde, c'est pas possible. C'est un truc de fou, c'est trop dur. Je perds toute ma vie en 2 secondes. Oh non, le monstre il bouge. Oh, c'est tellement la merde. Ça se détruit avec la lave? Je pense que oui. Oh putain de sa mère. J'ai perdu mon totem et j'ai tout perdu mes trucs là. Donc là il a tiré la lave pile poil au truc. Putain, je vais câbler sa mère. Tellement pas de chance. Mon inventaire était tout plein, je pouvais rien ramasser. Et j'ai perdu mon totem en essayant de faire le truc. J'ai rien récupéré, rien d'utile, tout, je m'en fous, tout le reste. Il me fallait juste mon sac à dos. Je sais même pas quoi faire. Ça, ça dégage. J'ai perdu tout. J'ai plus rien. Je sais même pas ce que j'ai posé là-bas, mais je pense rien d'intéressant. Hop. Hop et hop. Vas-y, ben on va voir ce que j'ai posé dans mes coffres. Putain, la défaite, sérieux. Je prends cher de baiser en plus, je me fais éclater par tout le monde. Super. Eh ben, ça va bien m'aider là, ça. Ok, eh ben, tip top. On va chercher un endroit pour faire notre maison et on va devoir relooter tout ce qu'on avait looté pendant la première aventure. L'armure, j'ai rien, je suis à poil. Et le bouclier, je m'en bats les steaks, je m'en sers pas. Au moins, t'as pu récupérer 6 poudres à canon. Je suis anéanti. J'ai même pas ramassé le truc pour marcher sur l'eau. Ah si, j'ai. Top l'aventure. La faute à qui, enfoiré? L'hôpital qui se fout de la charité. Putain. Oh les gars, j'ai tellement à farm. Vas-y, ben faut, je vais chercher un endroit pour faire notre maison. On va miner direct. Je vais pas faire le compliqué sur l'endroit. Hein. On peut pas se payer ce luxe. Cherche un endroit un minimum joli et pratique et hop. Avec plusieurs biomes à côté de préférence. Putain, en plus on a perdu le totem quoi. Il va me refaire du cuir pour le backpack. Et ouais, mais merde, du coup, j'aurais dû ramasser les fils.
C'est vrai. Bah, je peux pas mettre de clic droit ? Ça marche plus. Donne-moi ton cuir, toi. Sinon, je suis pas plus là pour me faire des potes. Ok, c'est bon. On fait quoi ? On prend un endroit au pif, les gars, et on fait notre maison ? Genre, on cherche juste un truc un peu joli ? Ça sert à rien de chercher un biome de fou, honnêtement. Trop compliqué. Il y a une rupture de stock de Silverfish, tant mieux. Tant mieux, bien fait pour vous. Vous voulez que me faire souffrir de toute façon. Déjà, on a récupéré le double saut. En vrai, faut quand même voir le positif. Le récupérer le double saut, ça clutch de fou. Hein. Ça, là-bas, il y a du loup, tu me rappelles. Alors, attendez. On a peut-être une bonne étoile dans le fond. Ok, ça commence à fonctionner déjà, j'essaie de me rappeler. Regardez le soleil qui se lève. C'est trop beau. J'ai l'écho d'un biome fleur trop joli qu'on avait croisé, si tu veux Arnal. Non, non, c'est bon, c'est bon. Je vais faire un truc, je vais faire avec ce que j'ai sur le chemin. Alors c'était où? Il y avait des coffres à l'intérieur de ces structures. C'était sous l'eau de mémoire. Je suis quasi sûr. Je suis quasi sûr et je pense pas me tromper. C'était vers un bout. Peut-être sous l'eau. On est d'accord les gars, il y avait des coffres là-dedans. Enfin, il y avait du loot. Et je crois que c'était du loot correct en plus. Ok. On prend, hein, 10 diamants, on prend de fou malade. Merde, j'ai pété la fiole d'XP sans faire exprès. Ok. Ça, c'est genre des restes d'un bateau. Mais mec, je prends tout. Hein. Je prends carrément en vrai. Ça, ça dégage par contre. Vas-y, je vais mettre le bouclier même si je m'en sers pas, tant pis. On va sauvegarder là. Et je pense qu'on va s'établir pas très loin, honnêtement. En plus, je crois que ça, c'est un truc où il y a... Ah, j'avais récupéré mon seau. Ok, est-ce qu'il y a des lits? Yes, je dors. On peut peut-être prendre une maison ici en attendant. Vous en dites quoi, les gars? Genre, on cherche pas un endroit pour faire notre maison définitive, juste on se met là et on va miner, on essaye de choper tout ce qu'il faut. Oui, ok. Les coordonnées, moins 1900, moins 4000 en gros. Moins 1900, moins 4000. Craft un nouveau backpack, mais je crois que j'ai pas ce qu'il faut. Il faut des araignées, je vais aller dans le... Je vais aller sous la terre, là, on va peut-être en trouver. Merci Matsu, merci beaucoup. Déjà 6 mois, je suis limité Mulin Kalov. Merci beaucoup. C'est très gentil. Vous, vous êtes gentil, contrairement à Gold et les autres. À bon entendeur. Ok, ça c'est bon. Très important. Ça, elle est presque morte, mais c'est pas très grave. Tout le reste, je vais garder. Ok. Il me faut des blocs. Ça va Calimero? Il y a pas de Calimero, vous vous rendez pas compte? On a joué pendant 5 heures l'autre fois quand même, hein, j'ai tout perdu. Calimero, il a dit on a perdu 5 heures de notre travail. Ok. Ok, je mets mon coffre ici. Je vais pas poser mes trucs dedans, en fait. Et on va partir à la... On va partir creuser. On va à l'aventure. On va le trouver ce putain de diamant. On va se faire full diamant. Et ça sera vite oublié cette mésaventure. T'as pas tout perdu, il te reste de la poudre à canon. Oh oui, ça me fait tellement plaisir. Oh non, putain, sérieux, je suis maudit, c'est pas possible. Je sais pas où est la sortie. Je sais pas où est la... Ok.
Ok, c'est bon. Je vais creuser sous mes pieds. Je creuse sous mes pieds, mais pas trop longtemps. Je prends des risques, mais vas-y, j'habite à côté, on s'en fout un peu. Et vas-y, là, je vais recommencer à faire... Mais putain, c'est pas possible! Je suis tellement maudit, c'est une dinguerie! Eh, mais attends, je peux respirer sous l'eau à l'infini? J'avais oublié? Attends, je l'ai encore, hein? Oui. Ah bah, c'est bon. Je me balade. Jusqu'à ce que je trouve un accès. À une grotte ou quoi. Sans me prendre la tête. Du cuivre, yes! Trop, trop, trop cool. Fait plaisir. Ah, mais du coup, je mine quand même au ralenti. Ok, un peu chiant. Je vais bien trouver une grotte, je pense, à un moment. Ok. Je vais creuser depuis ici. Je suis sous l'eau ou pas, là? Je comprends pas. C'est en quelle couche le... En 1.18, les gars, le diamant, il est en quelle couche? Je sais pas où on en est du truc. Merci Manon, merci beaucoup. Je suis encore sous l'eau, putain. Ah, c'est déjà la version où ça va en moins 40, moins 50? Avec une base sous l'eau, tu seras safe? Non, j'avais déjà fait, et on avait ça avait invoqué des Wheezers dans... des Wheezers dans... comment? What? Attends, mais pourquoi elle casse aussi vite, ma pioche, là? Ah, putain, je me suis mis en... Je me disais que j'avais vu un truc affiché. Je suis en créatif, bordel. My bad. Je les attends, c'est bizarre, what the fuck, je comprenais pas. J'ai mis ce clic. Ok, je suis qu'en moins 4. Je suis dans une merde de fou. Hein. Le tricheur, ça va, j'ai pas fait exprès. Je voulais faire F3 pour les coordonnées, j'ai fait F3, F4 en même temps. Vous avez vu, il y a un truc qui apparaît par transparence, là, violet. Merde, je le vois plus. Putain, je vois rien du tout, les gars. Je vais enlever mon bouclier, tant pis. Hein. C'est impossible de rien voir comme ça. On voit rien, mais moi non plus je vois rien. Et moi aussi j'aimerais voir. Mais on n'a pas que ce qu'on veut dans la vie. Mais regardez, vous voyez le truc? Le truc de particules? C'est qu'il y a un Enderman. Je pense qu'il y a un Enderman à côté, ouais. Et si on voit un Enderman, c'est que potentiellement il y a une grotte. Oh putain, j'ai cru que c'était un. Ok, on a trouvé l'Enderman. Oh là là. Ok, y a rien. Enderman, je le regarde pas. Je le regarde pas. Et maintenant, on essaie de descendre. Déjà, on a trouvé des grottes, c'est très cool. Oh, mineshaft. Ah non. Je crois que c'est des faux coffres, ça. Je m'en rappelais. C'est quoi ça? Grant immunity to knockback. Ok, ça on s'en fout. Ça on s'en fout. Je vais dormir ici. Les gars, je suis en moins 1871, moins 4049, en moins 35. Je dors là. Au moins on a les coordonnées. Les trucs dont je me fous, je vais les ranger là-dedans. À savoir tout ça, ça, ça et ça, je les ferai jamais cuire. Ok, on continue l'exploration. Oh, ah non, j'ai cru qu'il y avait un rangement, mais non. Enfin, un coffre. Ok. Ok, nice. On a l'air d'avoir un grand truc, là. Est-ce que je prends le fer, vous pensez? Je pense que oui, moi. Cherche du diamant, ouais, on va essayer de se mettre full diamant pour avoir une meilleure survivabilité parce que pour le moment ça c'est pas ça quoi.
crois qu'on peut avoir des trucs cool là-dedans, je me rappelle plus trop, mais ça me dit quelque chose. Ok. Mois déjà l'Inca Love. Putain, mais oh ma vie. Merci Luna. Mais putain. Ah oui, maintenant je peux les ramasser, je suis con. Ok, je laisse ça. Je peux pas dormir, y'a rien malheureusement. Je vais fouiller ça en speed, voir s'il y a des trucs. Rien d'utile pour le moment en tout cas. Je vais garder les blocs. Ça, ça dégage. Ok. Je pense que gold et tout, on s'en fout pour le moment. Je vais vraiment chercher à descendre le plus possible. Améthyste, tout ça, je crois qu'on s'en fiche. Oh, il y en a deux géodes à côté. Je crois que ça m'est jamais arrivé d'avoir deux géodes collés comme ça. Et eux, il me semble qu'ils peuvent looter des stuff en diamant. Genre pioche en diamant. Oh, un diamant, magnifique. On prend. Tu montes, je sais. Je voulais voir s'il y avait une grande cave. Sympa pour Gold. Gold a une partie de ma sympathie, mais pas toute ma sympathie. Ça dépend des fois. Là, aujourd'hui, il est dans un jour 100. Ok, on est pas mal. Pas mal du tout. Le fer, c'est un peu compliqué en vrai. Hein. Mais pourquoi, quand je les tape, il y a un bruit de... d'Enderman qui se téléporte. Oh là ma vie. Pourquoi ça fait un bruit d'Enderman, les gars? Tout à l'heure j'ai cru que c'était un bug avec l'Enderman à côté de moi, mais en fait pas du tout. Gold a dépassé les bandes des limites, vraiment. Tiens, donne-moi tes diamants, toi. Il me faut du fil pour le backpack. J'oublie pas. Non, c'est normal. Ah bon? Je vois pas pourquoi c'est... ça serait normal. Non, tu vois, c'est à chaque fois que je prends une flèche... À chaque fois que je prends une flèche de squelette. Mon épée est presque morte. Oh. Oui. Pas d'autre. Super. Ok, je m'en fous, je prends. C'est déjà une petite réussite. Je vais mettre dans mon inventaire pour suivre combien j'en ai. Il m'en faut... Je me rappelle plus combien c'est. 21, 24. Un truc comme ça, je me rappelle plus. 24, je crois. Full stuff plus full équipement. Ok, ça a l'air d'être compliqué de trouver plus grand... Oh, c'est un filon. Mais il se passe quoi? Les gars, il y a un problème. Pourquoi ça fait ça? Ce bruit là. Oh là 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 là. Ok. On a eu, lui, la loot quoi? De l'or. Là, il y a rien. Ça vient du mob. Mais pourquoi? C'est quand je tapais les squelettes tout à l'heure. C'est genre les squelettes, ils font jamais ça. J'ai pas tout compris, j'avoue. Il me fallait ça pour améliorer le backpack, je crois. Enfin, j'en ai eu besoin pour quelque chose. Merde, j'ai mon inventaire qui est full. Attends, ça se transforme en fil? Non, donc ça dégage. Ça dégage. Les cendres aussi, je vois pas bien ce que je vais en faire. Je voulais pas me laisser respirer deux petites minutes. Non mais il y a un problème. Genre je comprends pas pourquoi il y a bruit de téléportation d'Enderman. Alors que ça m'est jamais arrivé avant. Eh, dégagez les bouffons. Ma vie, ça commence à être la merde là. Hein.
J'ai encore gâché mes lanternes. Après, ça a l'air facile à trouver. Merci pour les steaks, les gars. Ah oui, il faut que je les pose par terre et après je les récolte, en fait. Ah putain, j'en ai plein le cul, les gars. Ok, ça c'est bon. Là, je dois pouvoir faire un backpack, non? Il fallait un coffre. Je pense que je peux, en vrai. Je vais tester en speed. Oh putain, sa mère. Péter les couilles. Vous savez que c'est ce qui a failli me tuer tout à l'heure, ça fait trop mal les slimes. Hein. Je comprends pas ce bruit. C'est un cauchemar, les gars. Ok, stop. Hop, 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 hop. Hop, hop. Tac, boum. Ok. Après, c'était genre... Oh putain, j'en ai plein le cul. Merci, Nico. Attention à mon chat. J'y ferai très attention, Nico, bonne histoire de la batte. Ok, allez. Ça. Après, c'était genre ça... Et ça. Ok, c'était l'inverse, c'est ça? Ok, c'est pas ça. Back, pack. Ok. Ok, c'est une première bonne nouvelle. Ça, après, c'est entouré de quoi en premier? De fer? Je crois que j'ai pas assez. Je vais faire un four. On va essayer de faire attention et de faire les choses bien. On met le fer dedans. Et du bois. Et ça part. Allez. Tu as des pépites. Ah oui, putain, bien vu. Ok. Ok, après ça, c'était l'or. J'en ai pas encore. Je vais le mettre comme ça. Ok, c'est mieux que rien, c'est mieux que rien. Diamant. Émeraude. Ça, ça, ça. Ça et ça, je vais le mettre par là. Tout le reste, on va dire que ce sont des ressources dont on se branle le cul. Ça, c'est en diamant, ça va là-bas. Ça je vais garder, ça dégage, je garde au cas où. Je garde. Je récupère ça et ça. Ça. Et on continue de looter. Ok, on est pas mal les gars. C'est un bon début. Une bonne reprise, mais il va falloir que le jeu il fasse un peu des efforts sur le diamant là. On va essayer de trouver une autre grotte. Y'a pas l'air d'en avoir là. L'inca Livaldi, j'ai pas vu. Qu'est-ce qu'il y a, Valdi? Merci Fanny, merci beaucoup. Ok. Ah, la grotte, elle continue peut-être là-bas. J'ai un petit espoir. Le son doit venir d'un de tes artefacts. Un de mes artefacts? Ça, tu veux dire? Pourquoi? Pourquoi j'aurais ça? Ok, là-bas, ça a l'air d'être ouvert. Finalement, non. Je peux peut-être descendre dans la géode et continuer après. Ah, mais c'est la géode de tout à l'heure. Là, on est un peu dans la merde, les gars. Parce que je pense que on n'est pas dans une grande grotte. Attends, ça a l'air de descendre là-bas. Non. Peut-être là-bas. On va se soigner. Non, c'est vraiment quand ils me lancent une flèche, c'est eux qui font ce bruit. C'est les flèches qui me font ça. Quand
quantité de dégâts de chute que tu prends. Ouais, c'est abusé, il me faut vraiment vite le truc. D'ailleurs, si jamais vous pouvez faire spawn des les coffres là, les coffres vénères, hésitez pas les gars, parce que c'est avec ça que je peux avoir les bottes anti dégâts de chute. Genre ça m'aide de ouf en vrai. Enfin ça peut m'aider, merci beaucoup. Ok, je crois qu'on a eu encore le même truc. Ça veut pas. Comment on fait ça avec les points de chaîne les gars? On éteint tout, là on est au bon niveau pour voir normalement du diamant s'il y en a. Donc ça devrait pouvoir se faire. Mais j'avoue que là on n'a pas l'air d'avoir, j'ai pas l'impression qu'on ait beaucoup de chance. Peut-être pas le bon endroit pour dormir là pour le coup. Vous me l'accorderez peut-être. Ça me paraît pas idéal. Mec, attends. Là on prend. Ça on prend, c'est que du bon là. Bâtard. C'est vrai que ça fait beaucoup moins mal maintenant qu'on a le stuff. Oh, une petite P3. Incroyable ça. Je mets vite dans le coffre. On va loot, mais bon, on n'a pas de grands endroits avec du diamant, quoi. Dans cette version, plus t'es bas, plus t'as de chances d'avoir du diamant. C'est les flèches, mais je sais pas pourquoi ça fait ça. Bah alors, bouffon! Voilà, bien fait. Je suis fauché en point de chaîne, j'ai tout perdu il y a longtemps avec un all-in sur un drop Igor. Désolé pour toi Brice, ça arrive même au meilleur, hein. Preuve en est. Mon épée là elle est morte. Je vais la drop, elle me prend un stack pour rien. J'entends ma fille se marrer, c'est trop mignon. Ça ça dégage, ça ça dégage. Ça en vrai ça dégage, merci Flambi. Link amour. Okay, je vais continuer par là-bas. Sinon je creuse tout droit. Hein. Et bonne chance, moins 54. Et je fais le truc comme pour faire le minage opti. Hein. Allez, ça part. On va essayer d'optimiser un peu. Merci aux scouilles. Merci beaucoup pour le sub, c'est gentil poulet. Attends, je vais mettre full vie déjà. Je crois opti c'est moins 36. Non, on avait déjà regardé la courbe. Et plus tu descends, plus c'est bas. Enfin, plus tu descends, plus c'est haut, pardon, les chances d'avoir le truc. À moins que la courbe ait changé ou que ça a été modifié ou qu'il y ait des updates ou quoi, j'en sais rien. Mais je pense pas que les versions soient update. Et plus t'es bas, plus c'est plus t'en as, quoi. Moins 56, le must. Alors, je savais pas. Mais le truc, c'est que ça me paraît dangereux. Attends, fais voir. Après là logiquement je vois aussi ce qu'il y a plus bas vu que je vois sous mes pieds. L'Inca a dit un jour plus tu descends plus t'es bas. Non mais vous voyez ce que je veux dire quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Vous êtes vraiment des chiens putain. Ok. Putain, je me mets en créative. Juste pour pas me faire tuer, parce qu'il faut que j'envoie un texto. Je suis obligé. Ok. Et il faut que je demande absolument un truc. Je suis obligé, les gars. C'est très important. C'est bon, c'est demandé. Cheat. C'est pas du cheat, c'est que je peux pas mettre sur pause le jeu. C'est pas, ça compte pas. Qu'est-ce que je fais là? Oh, ça a bugué mon eau. Attends, mais je l'ai ou pas? Ben, je suis encore en. Je me disais c'est bizarre, j'ai dupliqué mon truc. Les gars, c'est impossible de miner aussi bas.
je vais pas prendre de risque, je vais rester comme ça. Par contre, bon, pas un diamant depuis tout à l'heure, c'est un peu gênant là. C'est malencontreux. Le gros tricheur, mais fermez vos gueules. La vache, je sais pas si vous voyez, on voit des trucs à travers. Ah, c'est peut-être juste quand je casse un bloc en fait. Non, regardez, il y a des trucs de texture. Ça, c'est trop cheaté, les textures qui passent à travers, parce que du coup, on sait qu'il y a quelque chose qui se passe. Je récupère un améthyste, hein. Du coup, vous m'avez dit moins 56. Ah bah, c'était là. Ok, je suis à la bonne couche. Il X-ray en plus. Ça, c'est pas de ma faute, c'est des bugs de texture qui sont à mon avantage. Je vais pas m'en plaindre. Merci Lily, merci beaucoup pour les 17 mois. Regardez bien la montagne de diamants que je vais trouver. Oh putain, ça m'a fait peur. Mais ça me saoule le bruit d'Enderman. Ça me gêne, genre. Merci, ce mois. Allez, s'il te plaît, le truc pour pas prendre de dégâts de chute. Merde, c'est un truc qui augmente les dégâts. Oh, tu peux le... Je savais pas que tu pouvais en mettre deux. Ok, ça, c'est stylé, par contre. Parce qu'il y a peut-être un monde où je fais vraiment ultra mal, là. Je savais pas que tu pouvais mettre deux fois le même. Quand je sursautais, mais parfois ça fait un peu peur, Subcraft. Il y a des fois où c'est en effet pas très rassurant. Pour chaque... Ouais, mais je pensais pas que tu pouvais faire le cumul. Allez, les textures, elles veulent pas bugger un peu pour me donner des indications, là? C'est long, la vache. Souken, j'étais à un mariage, on m'a offert un sub sur ta chaîne. Bah, ça fait plaisir, Ghost. J'espère que t'as bien profité. Putain, oh, no fake, j'ai eu plus peur que quand quelqu'un invoque un Ignis. J'ai vraiment eu peur. En fait, je devrais faire du minage opti. Genre faire ça tous les 3 blocs. Ok. Bah alors, on a spawn dans le mur ? Qui a voulu me faire souffrir ? Bah alors, ma couille, on n'est pas trop dégoûté ? Tu titilles pas ma dopamine là. Ben là pour le moment c'est le calme plat. Mais on va finir par le trouver, ce diamant qui va nous faire vibrer. Merci Max, merci beaucoup. Max, ton poulet me casse les couilles. Je sais pas si c'est la peine que je fasse comme ça pour essayer de trouver le diamant. Ou si on fait juste tout droit bêtement et voilà. Vous feriez quoi les gars? L'opti c'est de faire tous les trois. Mais vas-y, c'est trop chiant. Va en grotte, c'est plus rentable. Mais on n'a pas trouvé de grotte. Après peut-être qu'on va tomber sur une grotte hein. Vas-y attends, je vais tout droit dans l'espoir de tomber sur une grotte en vrai de vrai. Tu sais qu'on pourrait faire tout droit x1 par contre. J'y pense pas à cette technique. Faut pas qu'il y ait de la lave hein. Même si on devrait avoir le temps, let's go. Oh oui. Oh oui, c'est le filon de l'année. Oh oui. Putain, incroyable. 9. Je regarde s'il n'y a rien autour. Il n'y a rien, je continue. Ok, magnifique, ça j'en ai pas vraiment besoin. Bon, qu'est-ce qu'il y a Nina? Il nous en faut 24, les gars, on est dans une merde. J'espère vraiment qu'on va trouver une grotte. Après 56, je suis peut-être trop bas pour une grotte. Il y a un truc au-dessus. Je vois avec le bug de particules là. C'est quoi la couche la plus basse qu'on puisse rencontrer dans une grotte, les gars? Parce qu'en fait, j'ai pas envie de louper une grotte parce que je suis en train de miner en 56. C'est vrai que j'en ai dans mon sac. 21. Mais attendez, mais je peux faire full stuff, là! Deux d'armor, trois d'armor. Ben en vrai, ça c'est mieux, hein.
52, je crois. Ok, je vais remonter. Ok. Plastron. Bottes. Pantalon. Ah. Il y a un problème de calcul, là. C'est pas 24, en fait, qu'il fallait. C'était beaucoup plus, non? 54. 52. Bon, je vais monter en 52. 1, 2, 3. Ok, on est bon. Et là, comme ça, s'il y a une grotte, je la verrai. 24, c'est que pour l'armure. Moi, je croyais que c'était 24. Je croyais que 24, c'était l'armure plus les ustensiles. Enfin, plus pioche, machin et machin. En fait, c'est plus, du coup. C'est pour ça que j'étais surpris de pas avoir assez. C'est que dans ma tête, c'était pour faire la totale. Je me rappelle plus de combien c'est pour faire le tout, en fait, du coup. 30 pour tout, ok, ok. Bah, en vrai, on devrait les avoir vite. Et si on a une grotte, c'est royal. Et de temps en temps, on a des petits effets de particules, mais là, ils sont en bas à droite, donc je pense pas qu'il y a une grotte. Je pense que c'est de la lave qu'on voit. Là, on est presque full diamant. Il manque pas grand-chose. Et déjà, on sera plus résistant qu'on l'a jamais été sur l'aventure. Let's go. Attends, je regarde s'il y a autour. 1000 bits pour 3 diamants. Ils sont où, les riches du chat? Les riches du chat, ils se sont ruinés pour me pourrir la vie, plutôt. Ils ont préféré faire ça. Là, c'est bon, j'ai. C'est pantalon, hein, qui me manquait. Putain, il me manque un. Et j'aimerais bien en avoir 3 de plus pour faire une pioche en plus. Ils ont bien raison. Mais Cauchemar, t'es de quel côté? Je pensais qu'on était amis, putain de merde. Venez, attendez, je me mets en créatif. C'est juste pour changer la musique, on va se mettre un peu d'ambiance. Nina, tu veux mon avis? Je trouve qu'il manque de... Il manque de 21 Pilots dans la playlist Joie. Zados, la légende du club. Merde. Attends, je veux m'en attendre normal, mais je peux pas. Ok. Il est bloqué? Il est pas du tout bloqué. Ok, c'est de la merde, ça. Merci beaucoup, Zados. Mais connard, mets ton fut au lieu de tout foutre par terre. Ok, les gars, on est full diamant. Dégage, bouffon. On est full diamant, c'est une très bonne nouvelle. Je vais garder des blocs sur moi au cas où. Ça peut être utile. D'avoir des stacks. Ok. Ok. Ça, c'est de la déco, je garde ça là. Bien au chaud. Ça aussi. Ça, c'est ici. Diamant là-haut. Ok. Les gars, on est trop bien. Merci mille fois, Zados, pour le don. Et je vais essayer de trouver une grotte maintenant. Voir, je remonte tout droit, en fait. C'est vrai que ça serait bien de pouvoir faire épée, pioche, hache, enfin la totale. Vas-y, je continue. Tant qu'on est là, je profite. On va essayer de faire la totale. Et un de plus pour la table d'enchantement. Très très bien pensé, ça j'aurais oublié. Nina, mais formidable. C'est une playlist pour la bonne humeur, là. Formidable, c'est tout sauf bonne humeur. Regardez, la musique va appeler diamant. C'est sûr, hein. J'ai eu la vision. Oh, let's go, je vous l'avais dit. Merci Audrey. Merci KSP, mais toi, tout le monde m'a envoyé des diamants. Let's go, je vous avais dit que la musique allait appeler diamant. Merci les riches. Certain que ton petit studio, Arnaud, merci, c'est gentil, Hugues. Merci les gars pour les 1000 bits, merci à tous les deux. Non, j'en ai pas besoin, j'ai déjà une hache. Ça fait combien de dégâts une épée? 7. Et ça, ça fait 9. C'est carrément mieux une épée, non? Je fais ça et la hache, elle va me servir juste à faire des trucs de hache, quoi. Ok.
Coucou, je t'adore, je suis des aventures avec Trixie. Elles sont incroyables, le jeu aussi. Merci, Zaya, c'est gentil. Merci beaucoup. Allez, je remonte. On va à la maison. Merci, les riches, de m'avoir sauvé. Attends, il me reste de quoi faire une table d'enchantement en plus. Allez, 3 blocs, il y a du diamant, je le sens. Donc j'avance encore un tout petit peu et après je remonte. Hop, et voilà, le diamant, il est juste là normalement. Paf, maintenant. Hop. Hop, hop, allez, je me casse. Juste, on prie pour pas qu'il y ait de la lave au-dessus de la tête. La remontée, elle peut être très très dangereuse, là. On va essayer d'aller vite. Je me dépêche, hein. Avant que Gold, l'enfoiré, se dise « Oh, mais tiens, ça fait quoi si je mets 2 inis dans 1 mètre carré ?» Même si je pense qu'en vrai, devrait économiser votre argent, parce que d'après moi, ils vont être modélisés dans les murs et mourir. Mais on va se barrer, quoi. Je les ai tous one-shot. Je les ai tous one-shot. Un clic droit à la hache. Ok, nice. Ok. Dégage, bouffon. Rip les quotas. Ah bah, ils ont été bien expédiés, ouais. Ok. Il n'y a pas l'air d'avoir de quoi monter. Je cherche, hein. Merci Attila, merci Dennis. Beaucoup. Ok. Zone de dégâts, il est mort. Non, non, parce que je pouvais monter en hauteur. La zone de dégâts, elle est au sol. Elle fait que quelques blocs. Et puis là, la zone de dégâts, elle fait moins mal. Je suis full stuff. C'est pas des dégâts flat. Après, ce sera mieux quand on aura comment améliorer stuff, hein, bien sûr, mais... Enchanté, je trouvais plus moi. Ouais, l'or pour le sac, j'y ai pensé en passant à côté. Let's go. Let's go. Là, on est vraiment bien. Oh, j'ai cru que c'était du diamant. Putain, à chaque fois, je me fais bait. Vous avez vu, il m'a mis la flèche et il n'y a plus le bruit de la téléportation du merdier, là. Ok, ça, on prend. Ça, en vrai, les gars, je devrais le prendre tout le temps sur moi parce que vu qu'on voit rien, c'est quand même très, très fort. C'est les lunettes à vision nocturne. Il y a beaucoup de cas de figure où c'est très, très pratique d'avoir ça, quand même, hein. Je vais les garder. Je les garde tout le temps sur moi et selon ce qu'on... Tu les mets, tu les enlèves, ça bug. Ah non, ça part, c'est un effet. Merveilleux. Merveilleux. Oh là là, mais c'est quoi cette chatte de fou? Attends, mais... si, en fait, c'est un enchantement qui se met sur ta tête. Je le mets, je l'enlève à chaque fois et voilà. Je profite juste un peu. Je prends de la blade pour enchanter. Ah merde, ça reste pas longtemps. Ok, je pense qu'on va bientôt sortir. Je me rends pas compte à quelle hauteur on est. Ah, on est parti. C'est bon les diamants, si jamais... Ouais, bah je prends ce qu'il y a, hein. Je sens qu'on est bientôt à la sortie. Je vois des particules à travers là-haut et tout. Ok, je récupère le charbon. Gaffe au gravier. Bah au pire je saute ou je casse et ça va. C'est pas si dangereux. Il y a des solutions, quoi. Merci Alex, merci beaucoup pour le soutien, c'est gentil lapin. Comment elle a lu? T'es gay hero. Merci les poulets pour le soutien, vraiment vous êtes des cracks. Attends, on est très proche du sub-goal des 4000. Hein. Très très proche. Merci beaucoup. J'ai hâte et pas hâte à la fois le sub-goal des 4000. Une part de moi et se dit qu'il y a un monde où ça me coûte vraiment 4000 euros quoi.
Imaginez au-dessus de lui un lac de lave en surface. Le pire, c'est que c'est possible, mais on aurait le temps de le voir et de poser un bloc. C'est quoi ce sub-goal? En gros, faut la ref, mais sur la chaîne, on a une bagarre avec One Piece, avec le jeu de cartes One Piece, depuis un moment. Et oh, waouh! Les deux frégates l'une en face de l'autre, comment c'est stylé. On est en baston avec One Piece parce qu'on n'arrive pas à avoir de cartes stylées. Donc fuck One Piece. Et il se trouve que le sub-goal des 4000, c'est on ouvre jusqu'à avoir en gros la carte la plus rare dans l'idée. Oui, t'as raison, Valdi. T'as raison. Ça va me coûter une fortune. Mais attendez, y'a personne là-dessus? Mais c'est mon bateau, hein, vous êtes pas au courant là? Y'a pas d'ennemis? Mais les gars, on est chez moi là, hein? Attendez, je range mon inventaire. Ok. L'or, je vais le mettre là aussi. La bluette, je la mets là. Merci, Groudy. Oh, il m'a fait peur. J'ai cru que c'était une dinguerie. Les gars, on a trouvé... Attendez, les coordonnées. Les coordonnées. Moins 1950, moins 3700. J'ai trouvé ma maison. Ok. Richesses diverses, je vais les mettre là. Ça, c'est important, donc je vais le garder. Ça, je vais les jeter, je pense, parce qu'en vrai, ça prend de la place pour rien. Ça, ça va là. Ça, c'est bon. Ça, ça va là. Ça dégage. Ça, ça sera pour la décoration, donc plus tard. Là, je n'en ai pas besoin pour l'instant. Le stack complet, je le garde. Le bois, on prend. Les trucs pour voir, sur, on le garde sur nous. Ça, ça va là. Ça, ça va là. Et je vais faire cuire l'or pour améliorer mon truc. Attends, il y avait de l'or là-dedans ou pas? Non. Fuel d'XP, on récupère. Ça, on récupère aussi. Attends, je viens de voir un truc là avec mes yeux, je me suis dit, oh, faut que je récupère ça. C'est la TNT, je suis trop con. Ok. On est super bien les gars là. Il y a un truc à travers. Ah mais c'est le chat. Je suis bête. Ok, pas intéressant, pas intéressant. Modérément intéressant. Ça c'est du cuivre, donc on s'en fout je pense. Ça, c'est le dortoir. Je me rappelle plus trop ce qu'il y a là-dedans. Et de la bouffe. Bon, c'est pas super, en vrai, les bateaux. Je me rappelais pas que c'était pourri comme ça. Je sais même pas si je vais faire ma maison là-dedans. Vous feriez quoi, les gars? Je fais la maison là ou on s'en fout? Mais par où je remonte, putain? Ah, c'est là. Moi, je suis pour construire ma maison, honnêtement. Mais dans un premier temps, ça clutch un peu, quoi. Je vais aller voir l'autre bateau, ouais. Attends, par contre, ça, c'est très cool. Ok. Ok, ça, c'est vraiment cool, le fer, là. C'est gratuit, ça ne me coûte rien de le prendre. Ah, mais non, en fait, je suis con. Le fer, on s'en fout, vu qu'il y a des villages où je peux récupérer directement des blocs. J'ai juste à chercher le village au lieu de me fatiguer pour rien. Je sais pas si c'est actif ça. Truc du capitaine. Pas très intéressant. Ça c'est très cool. En revanche, je crois que j'ai assez pour faire mon sac à dos en or. Merci Ellie, merci beaucoup. Le coffre est bloqué, on prend. Increase move speed and step height while sprinting. Donc ça c'est pour courir à fond la caisse. Ça peut être pas mal en vrai. Je vais tester après. Ça rend trop bien le cristal posé comme ça. Tu sais, ça fait genre grosse richesse. Merci Anoki, merci beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime bien le style. Quelle série incroyable, Prigue. Merde, je pensais que je pourrais ramasser. Ah oui, d'accord, quand on court extrêmement vite, là. En fait, c'est archi broken, je pense, qu'on vient d'avoir. Et c'est vrai que la série Subcraft, c'est trop bien.
Les gars, regardez, je crois que j'ai... Non mais assez abusé la vitesse. Non mais attendez, là c'est un truc de fou là. Je pense que vous vous rendez pas compte à quelle vitesse on va... Ça marche pour la nage. Baisse la FOV, jamais de la vie. Les gars, je pense que vous vous rendez pas compte à quelle vitesse on va pouvoir se déplacer dans le monde là. C'est génial. Oh non, c'est un avec les spawners. Il y a l'air d'avoir un temple là-bas. Ça, c'est un truc avec des monstres, du coup. Je nage tellement vite. Ah, c'est incroyable. On peut rentrer dans le bateau ou pas? Je crois que c'est un bateau où je prends des risques à y aller. Je crois, hein. On se le tente ou pas? Je sais même plus s'il y a du loot, les gars, honnêtement. Attends, ils ont 80 points de vie. Faut que je regarde s'il y a un spawner pour vite le péter. Ok. Merveilleux. Casse-toi, toi. Ok, ça et ça, c'est super. Les lits. Je vais dormir, même si je suis chez l'ennemi, je dors. Moins 1960, moins 3600. Moi, je sais où je suis. On a pété le spawner, donc normalement on est bien. La vitesse de déplacement, les gars, c'est insane. Merci Patoche. 8 mois dans ma safe place, comment tu vas, Linka Bebou? Linka Chinako ou Linka Mou? Je suis peut-être un peu dans la merde. Ça va, ils font pas trop de dégâts en fait. Il doit avoir un spawner en dessous. Qu'il faut que je pète très vite, je pense. Ok. Il y a des embouteillages, ça a fait mes affaires. Ok. Nice. Ok. Ça m'a stressé premier degré, je vous jure, j'étais tendu. Ça, ça dégage, ça c'est bon. Blocs de charbon, je vais les prendre, c'est trop pratique d'avoir ça. Ok. Ça pareil, ça ça dégage. Pareil, pareil, pareil. C'est pratique de fou, non? Je pense que ça vaut le coup pour après cuire mes trucs pour bouffer et tout, même si, remarque, en fait, niveau bouffe, on devrait pas être dans la merde vu l'aventure. Ok. J'organise juste mon merdier. Je cours limite trop vite, les gars. What the fuck, il avait une pile de merde sur la tête. Ok, ça c'est dangereux, je me rappelle, je veux juste voir s'il y a du loot. Ok, c'est pas très intéressant comme loot, j'ai l'impression. Ça a l'air d'être que des poudres et des petites merdes. Je pense pas que ça vaille le coup de mourir. En fait, ils ont pas de vie. Ok, je dois pouvoir gérer. Vive le full diamant. Oh, hop, hop, hop. Ah non, j'ai cru qu'il y avait un coffre caché. Mais les gars, je vais limite trop vite. Ok, on va pouvoir loot tranquille. En fait, c'est pas si dangereux que ça. Quand même que je fasse gaffe à ma vie. Hein. Je me prends une zone de dégâts, je meurs. Je crois qu'il n'y a plus personne. Je me soigne et on check tout. Non, gold. Gold, gold. En vrai, on n'est pas en train de se refaire et tout. Franchement, pour le moment, t'as pas besoin de... Tu peux repartir. Tranquille, tranquille.
En plus, il y a le sub goal One Piece qui arrive et t'aimes pas One Piece. Donc moi, je serais toi, je me ferais pas... Je me fatiguerais pas, quoi. Ok. Par contre, la quantité de gunpowder, c'est incroyable. Iron. On s'en fout, on n'est plus dans ça, nous. Il y a une structure là-bas qui m'intrigue un petit peu. Les gars, la structure qu'on a trouvée a l'air incroyable. Genre, le truc là-bas m'intrigue de ouf, là. Bâtard, le coffre, il m'a poussé dans le vide. Merci, Funès. C'est quoi? Ah, c'est le truc pour le prix des villageois. Ça, ça sera bien pour plus tard. Ok, je remonte. Et on ira voir le truc là-bas après. Merci pour le méchant coffre. Le chapeau d'Inox, OMG. Ok, je vais en face. Ils étaient là-haut. Je vais aller les fumer. Les bâtards. Merci Pauline, merci beaucoup. Allez, je suis prêt. Mais mec, attends, il me pousse on CD là. Comment je vais faire? What? Ah, mais c'est le chat, je comprenais pas. Ok. Je vais aller par là. Et je vais les fumer par en dessous. Ah, je me disais, ils ont bien mis un coffre. Ok. Ça, c'est bloc de charbon, je garde. Ça, ça dégage. Ça, c'est bon. Par contre, il faut vraiment que j'améliore mon... Mais je peux, là. C'est ça qui me manquait, en fait. Attends. Chat, j'ai peut-être une bonne nouvelle. Peut-être même une excellente nouvelle. Ok. Donc là, je crois que je peux faire ça. Let's go. Après... Ça? C'est le plus beau jour de ma vie, j'avais même pas ça avant de mourir tout à l'heure. GG, merci chat. Par contre, faut tout re-ranger. Je le fais maintenant pour pas avoir la flemme. Les blocs, je vais les mettre là, en bas. Y a au-dessus de diamants, en coffre, en sac ou pas, les gars, je me rappelle plus. Je crois que oui, mais je suis pas sûr. Netherite. Ok, bon, ça, c'est vraiment pas pour tout de suite, pour le coup. Ok, truc d'exploration, je vais les mettre en bas. Les loot, là, je les mets là. Décoration en haut, là. Diamant tout en haut. Ça, c'est de l'armure que je vais mettre ici. Ça, c'est trop fort, on garde. Ça, on met ici. Ça avec, pareil, en ressources diverses. Ça, c'est bon. Fer, or. Or, fer. Les livres et tout ça, je vais mettre au milieu, comme d'hab. Truc d'exploration, ici. Décoration. Luve. Sale bâtard. Ok, ça, c'est bon. Putain, on est revenu dans... On est de retour dans le game, les gars, là. On est de retour dans le game, je vous le dis. Charbon. Regardez au milieu, je sais pas trop quoi en faire. Ça, truc divers. Décoration. Richesse ultime. Ok, les livres, ça va là. Décoration, là-haut. Exploration. Bloc, je vais prendre un stack. Le reste, je vais jeter là. Le quartz en ressources diverses. Ok, ça, ça dégage. Et ça, en richesse. Richesse, déco, je sais pas à quoi ça va me servir, je m'en bats les couilles. Oh, let's go. Les gars, on est vraiment de retour, là. Urgent, le sac dans la main, puis alors là, tu peux rêver. Je me demande ce que c'est, ça, là-bas. On va voir, en vrai, non?
Je pense que oui, hein. Je pense qu'on va carrément aller voir. Je vais prendre le truc pour courir sur l'eau. Ah merde, j'ai pas couru sur l'eau du coup. Ah, je vais prendre ça pour les orbes, j'avais oublié. Attends, je mets un bloc contre, qui me servira de point de départ. Ça, je casse. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Le fait de pouvoir courir sur l'océan, c'est un truc de fou. Hein. Ah, mais c'est un temple normal, en fait. C'est un temple de la couille molle, non? Mais c'est un temple de la couille molle, mais qui me donne pas de couille molle. Oh, il y a les éponges! Attends, mais je peux récupérer les éponges comme ça, là, gratuit? Oh non, il y a la couille molle, finalement, c'était buggy. Ok, je me casse. Ok, on se casse, je mange. Bisous, Superman. Merde, j'ai mangé. De funès. Les dégâts dessus, s'il te plaît. J'ai eu quoi? Putain, encore ça? Sérieux, on l'a tout le temps? Ok, je me barre. C'est pas un navire, ça, là-bas, si? Ah si, c'est un navire encore. Ok, on va trouver l'endroit pour faire notre maison, les gars. On est de nouveau dans le game. En vrai, on s'est bien refait. Hein. Le farm, il a mis trop bien. La commu aussi, c'est parfait. Par contre, retrouver la terre ferme, ça serait pas du luxe, là, pour se déplacer plus vite. Oh, mais c'est encore un bateau différent, là. Ok, ça a l'air d'être un... Oh non, j'ai la couille molle. Combien de temps j'ai la couille molle? Ok, on oublie. On en croisera d'autres plus tard. Et les gars, on est perdu au milieu de nulle part. Regardez le truc. Avec la musique. C'est trop une musique pour se balader au milieu de l'océan, sérieux. Astuce de Daron, nettoyer les taches qui partent pas avec du savon au fiel de bœuf. Team bébé de 1 an. Merci Kaku. Merci pour l'astuce. Sinon t'as un truc exceptionnel qui s'appelle la terre de Sommière. Attendez, l'île a l'air incroyable là. L'île avec un bateau, ça a du flot de fou, ça. Ah, l'île, elle est moche. Putain, c'est dommage. C'est dommage parce qu'alors, une île avec un petit bateau à côté et tout ça, c'est quand même... on tient un truc pas trop mal, hein. Là-bas, il y en a une autre, mais vas-y, l'île, elle est trop pourrie. Je vais pas habiter là, les gars, on est d'accord. C'est explosé au sol. Ça vaut toutes les tartelettes du monde. Gold, t'es vraiment un chien, putain. J'avais oublié, putain de merde, ne jamais avoir un truc important dans les mains. Jamais, genre. Je me laisse une main vide. Putain, j'avais la meilleure hache possible. Aucune gratitude, dis merci Arnaud. La musique va moins bien d'un coup, ouais, ouais, ouais. C'est mort, je dirais pas merci. Il fait tout pour me nuire. Il fait tout pour me nuire. Les subgoals, il en a rien à foutre. Le bonheur, il en a rien à foutre. La gentillesse, il en a rien à foutre. Ce chien, il veut juste me réduire à néant, me détruire mon cerveau. Il veut que je coupe mon live et que je dise à ma femme que j'ai passé une mauvaise journée. Putain. J'ai perdu le truc, le meilleur truc de la planète, là. Dites-moi que vous avez un lit pour que je dorme, s'il vous plaît. Je crois que c'était des petits villages, ça. Ça, y a pas un bruit de village, là.
Et on peut respirer là? Dans cette société? Oh la vache, ils sont un milliard. Mais attends, mais c'est quoi cette... Bon, allez, allez. Voilà, je prends un os. Voilà, je prends un os dans ma main. Putain, j'avais oublié. J'avais encore oublié. Je prends un os dans ma main. Tu vas faire quoi, Valdi? Tu vas me casser mon os? C'est ça que tu vas faire? Vas-y. Bizarrement, là, il va pas offrir 30 subs, bizarrement. Je vous ai dit qu'il cherchait qu'à me faire souffrir. Le dogo. Tu marches sur l'eau? Ouais, j'ai des bottes pour marcher sur l'eau, là. Mais elle m'arrange pas trop. J'aimerais bien être sur la terre ferme, en fait, à un moment. Ok, OMG. Mais comme par hasard, on est tombé dans l'océan le plus long du monde. C'est 30 subs pour voler l'objet. 30 subs, ça détruit l'objet que j'ai dans la main. Ok. Ok, on va récupérer le trésor qui doit être dans le coin. J'ai oublié musique de l'existence de cette musique. Bah, mais il est où le coffre? De Funès, il me fait que des passe-dés avec les coffres. C'est quoi déjà le crochet? Expérience qui est drop par les créatures. Ça, je le mettrai si je farm. Hop, ça, toi tu vas là. Toi tu vas là aussi. Ça se cumule pas, je jette. Les doublons, je les tège. Faut revoir le coffre, il était dans le coin. Mon build est vraiment broken là. Hein. Tu mets le truc pour pas prendre de dégâts de chute et je suis S-tier. Hein. What the fuck? 32 de fer! Sharpness mending, je prends au cas où quelqu'un arrive à me détruire mon épée, ça me dépannera, on va dire. Je vais mettre avec le stuff là-bas. Ok, on est bien. On est même super bien. Je remonte et on se casse. Ah merde, mais je venais d'où? Oh non, je pense que c'est par là-bas qu'il faut aller. Belle beat, Bumbury. Très belle beat. Garde pas l'épée, oui, putain, bien vu. L'os. Je joue os maintenant. Tu venais de là-bas? Non, je venais pas de là-bas. J'ai reconnu. J'ai un trop bon sens d'orientation, les gars, vous m'aurez pas. Ok, encore un bateau avec une île encore plus pourrie. Je vais quand même aller voir parce que si ça peut être raccordé à de la terre ferme, je dis pas non pour me déplacer vite là. Il a l'air magnifique le bateau. De rien les BG, enfin des heureux. Oh bah oui, ils doivent être bien contents eux. Mais les gars par contre, la quantité de ressources qu'on trouve là, c'est irréel. Hein. Y a peut-être un coffre. Le truc doit être là. Ok, en face donc. Ok, alors attends. C'est à l'est, je dirais. Attends. Full est, je suis où? Sud, ouest, nord, est. Ça a l'air d'être plus ou moins plein est. Attends, je vais me faire une pause juste pour bouffer. Pas besoin de miner, je te jure, miner ça sert à rien. Bah après les comment ça s'appelle? Les diamants c'est vraiment trop utile quand même. Je me rappelle plus ce qu'il y a dans les trésors. Les trésors, Valdi, ils étaient pas un peu boostés? Genre plus stylés que dans les aventures normales? Je crois me rappeler qu'on avait eu des trucs cool dans l'ancienne aventure. Ils valent le coup je crois, moi aussi je crois. Trésor, c'est des céréales fourrées. Bien vu et délicieux en plus. Les souvenirs d'enfance quand tu manges ça. Ok, on s'approche. On s'approche de ouf. Et c'est légèrement au nord. Donc ça va être là-bas, là, sur la terre. Oh oui, on retrouve la terre ferme grâce à la carte au trésor, le bonheur.
Attendez, ça a l'air très beau là en plus, non? Comme biome. Ah non, il est tout petit. Ah mais non, mais c'est le même biome que l'île tout à l'heure en fait. Le biome en lui-même, il est pas très beau. Ok, et là je vais tout droit, on n'est pas très loin je pense. Ça vaut toutes les tartelettes du monde. Sale chien. C'était pas loin. Putain. C'était pas loin. C'était pas loin, c'était pas loin. Je peux trouver sans lui. Tu vas bien voir le seum quand j'ai trouvé. C'est où le truc 9-9. Ok, 9. J'y crois. Gold, regarde bien, tu vas avoir le seum. Ok, c'est pas là. Putain. Merci Gold pour les subs quand même, mais bon. Ok. J'ai un autre espoir. Ok, c'est pas là. Je sais pas à quel point c'était loin. Mais attends, on doit pas être loin des du sub goal en plus là avec ces conneries. Pas là. Ouf, ça aurait pu être terrible. Oh le timing runique. Je pense vraiment que t'aurais pu me baiser là. Ok. Je vais trouver les gars, je sais que c'était sur cette île. On va la voir. En 3 jours, il y avait des twist up goals, c'est abusé. Ça peut pas être là. Je reviens. 9. Je crois que c'est... Ça, c'est celui qu'on vient de faire, ok. J'avance encore. Je sais pas si c'était dans l'eau ou pas. Chat, plus un cœur, l'inca sale riche, va te faire foutre Gold. Je suis riche à cause de vous et en plus de ça, riche et malheureux. Est-ce que les gens, les gars, est-ce que c'était sur la terre ferme ou pas? Je me rappelle plus. Mi-contente, mi-agacé du sub-gold des 4K. Yoshi, on va la voir. Après, on n'a pas encore sub-gold, mais on va la voir, cette putain de carte manga. Et la boucle sera bouclée et on sera tous heureux. Et fin, et voilà, terminé, fin. Sur l'île, je crois. Là, on a tout quadrillé, les gars. Les gars, je vais la voir, je lâcherai pas. Je ferai pas gagner Gold. C'est pas des frites, c'est une montagne de frites. Oh, j'ai cru que ça m'avait téléporté. Merci beaucoup. Merci Dabolo pour les 5 subs. Les 5 subs bienveillants, merci pour ça. C'est la 9. Merci mon poulet. Mais les gars, j'ai tout checké. On va du One Piece, on a le sub goal. Merci les gars. Merci beaucoup, c'est ouf. Merci énormément, vraiment. Mais les gars, par contre, putain, ça... Y'a pas quoi. Si seulement on avait la carte. Mais attendez, les gars, là, j'ai tout quadrillé, par contre, je comprends pas. On est d'accord, j'ai fait toute l'île, là. Ça me fait plaisir de pouvoir revenir voir les lives après l'armée Linkajam, Linkajam. Merci Kaina, merci beaucoup. Et merci Loïc, j'espère que ça s'est bien passé, l'armée. Neuf, neuf. Ça peut pas être là. Mais les gars, j'ai tout vu. Défonce toute l'île. Ça sert à rien, c'est toujours en 9-9. Pas sur terre. Neuf, y'a pas. Attends, peut-être, par contre. J'ai pas testé là, je crois. Attends. Là, j'ai un 9-9, normalement. Ok, et j'ai pas testé là-bas. J'ai un petit espoir.
C'est trop loin de la plage, je pense. Oh, let's go! C'est de la merde. J'ai plus très envie de parler avec le chat. Je vous trouve malveillant et je vous trouve bien trop heureux quand moi je suis malheureux. Beaucoup trop à mon goût. Bon, ben on est reparti pour se chercher une maison. Super disque, oui, ouais, ça fait trop plaisir là. Ok les gars, on est reparti. Celle-là, elle met bonne humeur aussi de musique. Ça ne rajeunit pas. Je me rappelle quand j'ai écouté ça en boom disco, on faisait du patin à roulette avec les filles sur la piste de danse. Quelle époque. Je prends les steaks hachés. Elle est bien ma playlist, hein? Pas mal. Je le tue pas parce que sinon je pourrais pas marcher sur l'eau. Merci de Funès. Et par contre, le jeu il veut pas nous donner de la terre ferme sur plus de 2 cm? Ok, là il y a l'air d'avoir beaucoup de terre ferme. Ok, peut-être le retour de la terre ferme les gars, on va peut-être enfin pouvoir chercher une maison. Allez, j'y crois. J'y crois parce que là sur la terre ferme, je suis curieux de voir à quelle vitesse on se déplace. Hein. Je pense vraiment que c'est fumé les gars. J'attends de voir. Les gars, c'est maintenant là. Oh, c'est quoi là-bas? Ah, c'est des trucs nuls avec plein de monstres où le loot il est à chier. Bisous Gold, merci pour tout. Merci mille fois en vrai. Bis à vous, sauf Valinka qui remercie jamais. En vrai, merci poulet, mais va un peu te faire foutre et un peu merci. Bah, tu captes l'idée, quoi. Hop, 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 hop. Les amis, vous êtes prêts à découvrir ce que c'est la vraie vitesse? Are you ready to... Oh là là, putain, mon dieu, c'est trop rapide, genre. Lève-toi de là, toi. Lève-toi de là, c'est à moi. Là, pour trouver un biome qui nous plaît, ça va aller très très vite. Et les gars, je vais limite trop vite. Je sais pas si on se rend compte là, mais en vrai de vrai, je pense que tu fais 1000 blocs par minute là. Peut-être même plus encore. Non mais plus. En vrai, en fait, on dirait qu'on a l'enchantement, vous savez, pour courir sur le sable des âmes. Sauf qu'il est là tout le temps, quoi. Bisous Gold. J'ai le mal des transports. J'ai le mal des transports. Ah, désolé à ceux qui ont mal des transports parce que je cours vite. Par contre, c'est vrai, c'est... C'est intankable. Le FOV joue beaucoup là quand même. Oui, c'est sûr. C'est sûr, mais tu peux pas nier que la sensation de vitesse est au rendez-vous, quoi. Oh, mais la terre ferme, elle a duré 2 secondes. En vrai, c'est plus agréable sans. Genre, pour trouver un endroit où vivre, c'est cool. Mais c'est plus agréable de pas l'avoir. Genre c'est trop quoi. POV, t'as 4 ans et t'as des nouvelles baskets. C'est exactement ça. C'est vrai que j'ai réalisé que très tard. Hein. Toute mon enfance, mon père me faisait, quand j'essayais des baskets chez Decathlon, j'essayais les baskets que je trouvais belles et tout, il me disait ah elles courent pas vite. Et j'ai remarqué après coup, en fait, dès que je mettais les baskets à 20 balles, là, les baskets de merde, les premiers prix, ils disaient « Ah, ça, c'est des baskets qui courent vite, fils !» Et du coup, je me faisais manipuler, j'achetais que les baskets qui courent vite.
Et en fait, il me niquait. Il m'achetait les baskets marque repère. Je m'enculais le dos. Et j'avais des baskets trop moches. Et je pensais qu'elles couraient vite, genre. C'était vraiment un commercial, j'aurais dû m'en douter. En vrai, il était dans le commerce, j'aurais dû m'en douter depuis le début. Papa le rat, ouais, vraiment. Mais les gars, il n'y a pas de terre ferme. Oh les gars, à chaque fois vous êtes là, me chier dessus dans le jeu. Venez, on se dit là, on bouleverse les habitudes et on offre 20 subs. Mais pas pour me faire chier, juste pour que je retrouve la terre ferme. Moi, franchement, j'aurais fait ça si j'étais un vrai abonné. Aimant, je pense que j'aurais fait ça. Mais bon, je comprends que tout le monde me veuille que du mal sur cette aventure. Je dis pas ça pour me placer en victime, vous me connaissez. Ban qui tu veux, 10 minutes. Gomar, pourquoi tu me bannes? Ah tiens, Gomar, tu tombes à pic. T'aimes bien notre... T'aimes bien nos donation goals du Z-Even? C'est juste pour savoir. Je vais faire des petites photos. Oh non, putain, mais les gars, c'est là où on était tout à l'heure. On a tourné en rond. Oui, sauf un. Ah bon? C'est lequel que t'aimes pas? Je pense que ce que t'aimes pas, c'est j'allume le micro et j'allume la cam parce que c'est trop vu et revu. Moi, je trouve que c'est les sub goals les plus... les donation goals les plus délires de l'event. Le karma qui arrive. Perso, je trouve que c'est le donation goal le plus délire de l'event. Et il est trop drôle. Pas vrai, la team? Ouais, voilà, c'est ça, oui. Ouais, bah, je m'en doutais un petit peu. Désolé, Gomar, d'avoir mis celui-là de... de sub goal, de donation goal, putain, je m'en sors pas. Désolé d'avoir mis celui-là de donation goal en vrai. Mais c'était un peu un clin d'œil à tous ceux qui font ça tous les ans, tu vois. Comme donation goal. Pareil pour le marathon. C'est un truc vu et revu, ça fait plaisir, c'est un petit clin d'œil. T'as capté? Les gars, il n'y a aucun endroit où on peut faire notre maison. Je vais péter mon crâne. Il n'y a pas de terre ferme, en fait, dans ce jeu. Gomar, toi, qui es multimilliardaire, tu veux pas offrir 20 subs, là, s'il te plaît? Attends, stop, le fais pas, Gomar, en fait, j'ai rigolé. De toute façon, je l'aurais sûrement pas fait, mais le fais pas, Gomar, j'ai rigolé. Ça a l'air d'être magnifique, l'endroit. Les gars, l'île a l'air trop paisible. Ok, c'est chez moi. Ah mais après c'est chez moi, mais autour de chez moi c'est que de... c'est un peu que des problèmes. Attendez, qu'est-ce qui se passe là? Mais attends, mais pourquoi ils sont 12 000 mais... Attends, mais je prends super cher, c'est quoi cette merde? Attends, les coordonnées. Moins 3700, moins 4400. Moins 3700, moins 4400. Mais attends. Quand tu fais un double saut, tes attaques font plus mal que quand tu fais un saut simple? Ça m'arrange. Vous pensez qu'il y a un spawner? C'est trop bizarre, là. Oui. Oui, magnifique. Il y en a un qui est très énervé en haut, là. Oh, putain. Attends, j'ai pas pris si cher. J'ai pas pris si cher. Je peux pas manger. Il spawn à l'infini, mais je pense qu'il y a un spawner, mais faudrait que j'aille voir. Oh, le traquenard, c'est une prison. Attends, le traquenard de baiser. Ok, ça va. Plus de peur que de mal. En vrai, c'est ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Merveilleux. Attends, je vais prendre les ficelles au cas où. Ça peut toujours être utile. C'est le dernier bouffon, lui, je pense. Ok. Ok, ça va là, tout le reste va à sa place. Ça c'est bon, ça dégage.
Ok, je pense que je vais aller habiter là-bas, ça a l'air incroyable. J'ai pris super cher sa mère. Attends, reste, j'ai entendu, mais on s'en fout. C'est pas trop beau, les gars, ici, sérieux? Regardez. T'es là, t'as la structure à côté, la petite île. Là, il y a un grand phare au milieu de rien. C'est pas mal, en vrai. J'aime assez bien. Ah, mais c'est peut-être une structure de méchant, en fait, ça. Attendez, j'ai peut-être rien dit. Il reste un coffre, ouais, mais ils sont à chier. Ok, je sauvegarde la position. 3900, 4400. Ça m'a l'air pas mal comme maison. Quitte à rester là en attendant, tu sais, à changer plus tard. Ça m'a l'air vraiment pas mal du tout. Je pense que je vais rester là, chat. Nous permettra de limiter la casse un peu. Ok. Pour vous, c'est quoi les prochaines étapes de farm là? Genre, c'est quoi le prochain truc sur lequel il faut absolument que je me penche? Et là, Totor Comeback, il claque 50 subs, t'as un Wither et c'est foutu. Non, c'est bon, c'est bon. Merci, personne va faire ça et tout le monde va être content. Et ma maison est très belle. Je vais construire une maison à côté, hein, bien sûr, je veux pas que ça soit ma maison principale. Juste, au moins, j'ai un endroit où me réfugier. Attends, c'est le truc pour planer, ça, je crois. Ah non. Swim in the air. Ah si, c'est ça. Ah oui, mais j'ai déjà le double jump. Je m'en servirai pas. J'ai oublié que ça prenait la même slot. Ok, il me faut une table d'enchantement, je pense. En vrai. Et c'est sûrement la priorité. Ok, ce que je vais faire, c'est que je vais agrandir cette plateforme. Je vais créer mon truc d'enchantement ici. Je pense que la priorité, c'est l'étape d'enchantement. Combien de livres j'ai? Il m'en faut 45, les gars, c'est ça? Il me semble que oui. Il y a déjà ce qu'il faut. Ok. On a nos 15. Je vais faire la table d'enchantement ici. Attends, je vais faire des dalles avec ça. On est vraiment pas mal là, les gars. Même super bien. Je suis obligé de camoufler l'erreur que j'ai faite. C'était trop moche. Ok. Là, j'ai 3 par 3 par 3. Attends, il y a un problème là. Et merde. Ignoble. Ok, il y a un problème de symétrie gravissime. Je vais mettre ça. Ça, je récupère, je mets de l'autre côté. Ok, et là, je fais ma table d'enchantement. Et ça, ça va nous mettre vraiment ultra, ultra, ultra bien pour la suite. 1, 2, 3... 1, 2, 3. 1, 2, 3. Là, j'ai mes 15. J'ai pas d'obsidienne. Merde. Oh, il y a un village. Il y a un village. Oh putain, il y a un village en plus avec un château. C'est un signe, c'est ce que je voulais tout à l'heure. Non, c'est trop, on a trouvé l'endroit parfait. On a vraiment trouvé l'endroit idéal, là. Allez, je dors et ça part. Let's go, t'en as 5. Non, c'est du charbon, ce que j'ai. T'as niqué le balcon, m'en fous. Tue les poulets des subs pour avoir des plumes pour crafter les flèches. Non, j'aurai infinité. Je vais me faire infinité, là, justement. Oh non, j'ai pas de truc pour les dégâts de chute. J'aurais pu m'exploser la gueule. Ok, il y a une lush cave en bas. De là où on habite. Structure là-bas. Beaucoup de vaches pour faire un élevage. Ah mais non, j'ai pas besoin dans cette aventure. Le village est magnifique. Non mais attendez, là, les étoiles s'alignent. Mais je vous jure qu'on est vraiment trop bien par contre. Je laisse Igor, là il me faut de la lave.
Il me faut de la lave. Bien vu, tu pourras ajouter flamme. Et ouais, vu qu'on a eu le livre... Ah mais non, mais attends, le livre, je crois qu'on l'a eu avant la mort. Et ouais. On l'a pas flamme. On l'a pas. C'est pas grave. Il nous faut un lac de lave, là. C'est le seul truc qu'il nous faut. Absolument. Un petit lac de lave pour choper de l'obsi. Sans lac de lave, je vois pas où je peux en choper. Parce que je vais peut-être pas... Il y a une grotte. Non mais les gars... Oh mon dieu, c'est l'endroit parfait. Merde, mais comment ça marche? J'aurais pu me tuer. Hein. Je croyais... Press left control while in the air to start swimming. Ok. Ah merde, il y a une durée. Il y a la Lush Cave. Il nous faut juste de la lave et on remonte. Ok. Pas de prise de risque ou je sais pas quoi. De la lave et on remonte. Il a pas marché mon truc de left control de merde là. Ok, nice. C'est quoi ça? Oh, what the fuck? What? Oh, je vais mourir? Non! Mais attendez, mais l'endroit est incroyable là! J'ai jamais vu ça de ma vie, le spawner! Je pensais pas que je pouvais planer aussi peu longtemps, honnêtement. Oh le flop. Quand le flop. Oh le flop de fou. Par contre. Oh mon dieu, les gars. Chat. Chat, vous pensez à ce que je pense? On fait notre maison ici? Là, dans les airs? Pendu au milieu du vide? Il y a tout! C'est trop stylé! On l'éclairera de fou, on mettra des lumières partout et tout! Je pense que oui. Je crois que c'est le call, les gars. Horrible comme endroit. Mais non, mais imagine quand il y aura de la lumière. On a tout le farm à proximité, on a tout. C'est merveilleux, là. Mes visions nocturnes en attendant. C'est que là, j'ai pas besoin de... Ok, on a de la lave là-bas. Et là-bas aussi. Je suis trop un crack. Je suis trop un crack. Ok, maintenant on cherche de la lave. Ok, il nous faut 4 obsi, c'est ça? Je crois que oui. Merde. Attends, ils sont beaucoup. Ok, je fume tout le monde. Je suis level 30, ce sera parfait pour enchanter direct. Et on est parti pour farm. Magnifique, les gars. Je vous jure que l'endroit, je le sens bien. Putain de merde. Un spawn de boss et c'est cher la maison. Non mais je me barre s'il y a un boss qui spawn. Parce qu'il y a un petit délai avant qu'ils attaquent, je crois. Ah maintenant, il y en a qui explosent. Ok, et de 1. Ouais, c'est vrai que c'est peut-être pas le bon call, en fait. J'avoue que si quelqu'un offre le truc explosif, je sais pas trop ce qui se passe. Non, par contre, la cave est incroyable. Hein. C'est énorme, genre. Thank you.
Je dors là-haut au cas où en attendant. Non, franchement, en vrai de vrai, les gars, l'endroit est... Vous vous rendez compte la quantité de ressources que j'ai à exploiter? Et en plus de ça... Attends, je vais me soigner quand même. Je vais tuer le coffre aussi. Je veux juste voir un truc. Avant de prendre la décision. J'avais l'impression que la grotte, elle descendait très très bas. Putain, mais c'est tout le temps les mêmes qu'on a. On n'a pas de chance. Le truc pour pas avoir de dégâts de chute, on l'a toujours pas vu. Oh, regardez. Mais what the fuck? Je sais pas à quoi ça sert, les... Ça ira plus vite. Oh! Ok. C'était où la maison? C'était là-bas. Voilà, j'avais l'impression que le truc il descendait ici. Et ouais, mais regardez. Les gars, je pense vraiment que c'est un truc de fou l'endroit qu'on a trouvé. Hein. Ah. Ok, FF, ça fait un centimètre. Je sais pas à quelle couche on est là. On est en moins 21. Et même là-bas, regardez, ça continue. Ok, diamant. Oh, j'ai failli me jeter dans la lave. Mais c'est le paradis. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point on a rattrapé le temps perdu en peu de temps. Parce que pour finir, on n'a pas mis tant de temps que ça. Hein. J'arrive pas à savoir. Les modos, on peut faire un sondage pour savoir si les gens ils préfèrent qu'on se fasse la maison dans la grotte ou la maison au-dessus. Oh bâtard. Turn the wearer invisible. Ah, c'est une cape d'invisibilité. C'est à la place du backpack, donc autant vous dire que c'est clairement mort. Il n'y a aucun monde où j'utilise ce truc. Attends fortune pour miner les diamants. Mais en fait, le truc, c'est que si j'attends fortune, il y a un monde où je meurs avant, en fait. Je peux pas... Je peux pas faire n'importe quoi dans cette aventure. Genre tant pis si c'est pas opti, il faut que je mette... il faut que j'évite du stuff, vide des trucs et tout ça. Et que je puisse surtout m'équiper pour pas mourir. Tu vois, c'est plus ça l'optique là. Comment je vais remonter? Je vais être obligé de poser mes trucs. Opti, ouais, mais là je peux pas faire d'opti là. Enfin, je peux mettre trop. Mais oui, en effet, fortune, ça a été le meilleur call. Au-dessus, ok. Au-dessus qui gagne, les gars, on va aller au-dessus. De toute façon, on a la grotte pas loin, c'est magnifique, hein, franchement. C'est vraiment très cool. Ça, on a déjà vu. La bleuite, on va en avoir besoin. Je vais peut-être en profiter pour m'en procurer. Il est quelle heure? Faut que je fasse gaffe. Aujourd'hui, faudrait que je trouve vers 40 dans l'idéal. Ça dégage. Obsidien, on n'a que 1. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de lac de lave, là. Je sais pas si j'aurais pas plus vite fait de chercher à l'extérieur un lac de lave, honnêtement. Ah, attends. On a une lave en plus, là. Allez, vite, s'il te plaît. C'est que la bleuite, ça sonne vraiment comme une maladie. Hein. C'est très réel. Barre-toi de la fumier. Barrez-vous de là, les fumiers. Ok, c'est encore le même truc. Ça, on l'a déjà eu 3 fois depuis le début de l'aventure. Ça, pour le 100% bouffe, c'était pas malin. En vrai. Attends, ça dégage, ça dégage. Oh, les souvenirs, cette musique, la vache. Venez, on prend.
Comme ça, si un jour on se chauffe à faire le 100% bouffe, on aura déjà une bonne partie de la bouffe. De fait. Même si je pense qu'on le fera pas. Sait-on jamais. Par contre, il n'y a pas de lave. J'y ai un peu cru là. J'avoue, j'y ai un peu cru. Ça, quand c'est sorti, faut voir le banger que c'était. Hein. Tout le monde écoutait, genre. Ok, on va remonter. Je viens de faire 1h30 de route pour un rendez-vous annulé. Ah! C'était un rendez-vous amoureux ou rendez-vous pro? Parce que rendez-vous amoureux, c'est double peine, quoi. Tu peux pas faire... ça fait beaucoup. Pro, ok, ça... Enfin, ça va. Ça fait chier, mais t'étais payé pour y aller, tu vois. Même si c'est un flop, y a plus triste. Ok, le chapeau, on l'a déjà eu 12 fois. C'est dommage que ça se cumule pas, je trouve. Je reste loin, attends. Pour réfléchir à comment je m'organise ça et ça, je prends. Ce qu'on n'a pas. Tu peux avec une commande. Ah bon? Comment ça, avec une commande? Après, en soi, c'est des trucs qui me servent à rien. Eh, le phallic, putain, c'est bon, là. Ok, ça, ça dégage, dégage. Ça, c'est bon, on garde. Ok, ok. Ok, il m'en manque deux, les gars. Les étiquettes, c'est bon, ça, c'est bon. Il manque deux options, on va aller chercher en priorité, en vrai. Tu peux avec une upgrade de backpack. Mais en fait, ça augmente le nombre de stacks, mais je pense que, du coup... Les items qui se stackent pas de base, d'après moi, ils se stackent pas. Peu importe ce que tu fais, quoi, c'est ça que je veux dire. Putain, c'est immense. C'est immense, mais on n'a pas de lac de lave, quoi. Là où il y a de la lave, on va les récup. En fait, je vais faire comme ça, tant pis pour le lac de lave, hein, je fais avec ce qu'il y a. Même si c'est pas grand chose. Ok. Après, il m'en manquera qu'un seul. C'est vraiment trop cool à regarder, Subcraft, merci. Je suis content que ça vous plaise, les gars. En vrai de vrai, c'était vraiment une idée de fou, ce truc. C'était trop bien. Ok, 3. Un dernier, je sais que j'ai vu de la lave tout à l'heure. J'en suis quasi sûr. Bah non, ça peut pas être par là, je suis jamais allé ici. C'est tellement beau les Lush Cave. C'est vraiment trop stylé. Ok, je pense que c'était plus par là-bas. Je vais prendre la Blue Heat. Ok. Oh, mais il y en a là-haut. Ok. Et on a tout ce qu'il nous faut. On peut foncer après. T'as manqué un minerai de cuivre brut. Oh merde, j'aurais trop kiffé avoir le cuivre brut. J'aurais adoré, les gars. Ça, c'est dommage. Ça fait ultra chier, en vrai. C'est trop triste. Trop trop triste. Je vais sûrement pleurer sous peu. Ne quittez pas. Putain, ma meuf, elle doit péter les plombes. Là, ma fille, elle fait que pleurer. Que pleurer, que pleurer, que pleurer. Bah, tu vas attendre, Valdi, on n'y est pas encore. Hein. Oh putain, la vache. Les dents, ouais, les dents. Mais c'est pour ça que je vais pas streamer trop tard. Je pense que je vais couper en vrai, là. Je rentre, je fais la table d'enchant et je cut. Comme ça, je vais aller m'occuper un peu de la petite parce que je pense que ma chérie, elle doit être un peu au bord du gouffre, là. Parce que même si tu sais que ton bébé y est pour rien, en vrai, les pleurs de bébé, c'est vraiment, vraiment horrible. Il est bizarre, le mouton, là, non?
What the fuck, c'est pris la foudre merdier là. What the fuck. Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Je veux tuer le squelette mais pas les chevaux. Merde. Et ça doit être rare de fou ça, comment je les garde? Comment je les garde? Avec une laisse, j'en ai pas. Non mais reviens. Ça peut s'accoupler ou pas les gars? Je vais mettre les name tags. Je crois pas. Ah. Ok. Ok, ils sont tous captifs là. Ah oui, mais j'ai pas de quoi changer le nom des name tags. Attends, si je dois pouvoir fabriquer. Attendez. Cerveau en éruption. Tiens. Oh, la ref de vieux. On vit en vrai de vrai. Vous avez encore la ref, les jeunes. C'est pas assez vieux pour que vous ayez pas la ref. Oh non, c'est bon. On n'en peut plus des côtés de merde, là. Ok, tac. Il va me pousser avec le cheval. Dégagez les fumées de merde. Tatati. Mais putain, on n'en peut plus, sérieux. Dégagez les bouffons. Ok. 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 Merde. Ok. 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 Qui rend fou ces merdes. Ça, c'est bon. Après, il me faut mes deux étiquettes. Attends, je range mes trucs. L'organisation, c'est pas mon fort, là. Ok. Je prends tout. Ça, je m'en fous, je garde. On s'en fout. On garde. On s'en fout, en fait, on est full. J'ai déjà un stack, ça suffit. Ok, les deux name tags, on les a. Bah, what the fuck. Ah. Putain. J'espère qu'ils sont vraiment bloqués. Mais je pense que oui. Ok, près de la maison, on a des chevaux squelettes qui nous attendent. Ils peuvent plus despawn. La vie est belle. C'est trop stylé. Connardo, putain, c'est pas possible. Oh, il s'est défenestré. Attends, je vais le tuer quand même. Là, dites-vous que vous êtes en train de m'empêcher de retrouver ma femme pour l'aider à s'occuper de ma fille. Je dis pas ça pour vous faire culpabiliser, hein, vous me connaissez quand même. Ok. On retourne à la maison.
Oh, on a même une... un dirigeable. On a même un truc pour le portail. Non, mais c'est trop stylé. Putain, c'est trop cool, ça. Ça veut dire que je pouvais prendre l'obsidienne juste ici. Depuis le début. Depuis le début, j'avais que 2 cm à faire pour récupérer mon obsidienne. Voilà. Ça va, vous? F3. C'est bon, j'ai mon sens d'orientation hors pair, t'inquiète. Et allez, on va fabriquer notre truc. Merci pour le steak, thank you for the steak. C'est trop stylé, le phare allumé et tout. C'est trop cool comme accès, ça. Putain, si je pouvais agrandir... Je tricherais, j'agrandirais l'arbre. Je ferais un palmier géant. Pour rentrer à la maison, c'est trop stylé. En attendant de faire notre vraie maison nous-mêmes. Ok. Merde. Mais j'avais des livres. Ah putain, j'ai plus de livres. Ok. What? Ah non, merci, c'est l'inverse. Je me rappelais plus trop. Ok, on a notre table d'enchantement. Les gars, c'est merveilleux. Vraiment, là, c'est incroyable l'avancée. C'est ultra, ultra propre. Ok. Ok. Je vais même me payer le luxe de décorer. Regardez, hop. Là, on est bien. Là, je me sens à la maison s'il y a des lanternes. Ok. Ça, ça va aller là-bas. Les diamants retournent à leur place. Et on fera enchantement la prochaine fois. Oh putain, les gars, on s'est tellement bien rattrapés. Ce serait trop dommage que quelqu'un TP maintenant. Hop. Personne peut me TP. Et en plus, ça, j'ai les positions de la maison. Tu peux faire l'autofeed, non? Ouais, ben, je le ferai la prochaine fois. Là, je vais déco, je vais m'occuper de la petite. Oh putain, on a tellement bien avancé, les gars. C'est incroyable, hein. On s'est vraiment trop gavé là. Bisous chat, merci d'avoir suivi, j'espère que vous avez kiffé. Demain on va faire autre chose, je sais pas encore ce qu'on va faire, mais demain on fait pas Subcraft, je vais regarder la liste des trucs que j'ai à faire. On va avancer et demain ça sera le dernier live avant le rush. En vrai de vrai... Attendez, je réfléchis là. Si non, j'allais dire en vrai de vrai, je prends 2 jours off et comme ça j'arrive, je suis en bombe et tout, mais non, vas-y, demain je stream. Je peux pas prendre 2 jours off. C'est trop dur pour moi, c'est psychologiquement je peux pas. Je pourrais pas le tanker. Impossible. L'Inca ne prend pas 2 jours off d'affilée, ça n'existe pas. On se retrouve demain les gars et je sais pas encore ce qu'on va faire. J'y réfléchis et puis on se tient au jus et voilà quoi, c'est tout. Merci beaucoup pour le soutien, merci au modo d'avoir modéré, merci aux viewers d'avoir vu, merci aux mécènes d'avoir soutenu.